C'est tout bon. Bonjour tout le monde. Hop. Salut Luciole, salut Docteur Pi, salut Lynn. Bienvenue à vous. On est le mardi, c'est donc le projet Amiens dans Minecraft. Ta-ta-ta. Hop. Et on se retrouve à la préfecture. Bon, j'ai fini les bâtiments annexes. Je vais aller me mettre sur le Discord. Hop. Ce qu'il faudrait, c'est rajouter une bagnole. La bagnole de la bagnole du préfet. Bon, c'est une grosse voiture, la voiture du préfet. Bon, c'est une voiture grise. Limite noire peut-être. Après on attaque le nouveau truc hein. C'est juste en attendant là que les chucks se chargent. Ah oui, ce qu'il y a c'est que... Comment on fait une bagnole? Ah, ça va être trop comme ça. Je suis vraiment pas doué pour les bagnoles je crois. Coucou Lynn. Enfin, chouette. On va aller, je vais laisser ça au spécialiste. Non, on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Très faiblement. C'est redevenu faible. C'est vrai. Après, je t'avais redescendu à 100% depuis le dernier coup, alors je vais peut-être te remettre à 200. Ça y est, je t'ai mis à 200. Je t'ai mis à 200. C'est mieux là? C'est un petit peu mieux, mais c'est pas très très fort. Ouais, je pense que tes réglages ont dû ressauter. Là, c'est mieux? Oui. Ah. Je vais mettre à 100% de mon côté. Hein. Ouais. Bah. Voilà, c'est bon. Alors que je change de casque. Hop, c'est tout bon. Bon voilà, vous avez rien vu, hein. J'ai touché à rien. Bon, hop, voilà. Bon, qu'est-ce qui a gagné? Donc on a fini la préfecture. Qu'est-ce qui a gagné le vote? C'est la caserne Stengel. Stengel. Stengel, je sais pas comment ça se prononce. Ah, il va peut-être falloir les habiller, les porte-armures. Oui, ben, je les avais pas habillés. Bah... Attends, je suis où? Si je suis bon, je les avais peut-être habillés sur le devant, mais pas. Si je suis bien en créatif. Ah non non, je les avais habillés celle de devant, je crois bien, mais pas celle de. Attends, bah, à l'intérieur de la cour d'honneur, ni à droite ni à gauche, c'est habillé. Bon, après, on leur met quoi du fer? Moi je leur avais mis des côtes de maille. Oh, ça va plus pétouiller, c'est quand même la préfecture quoi. Hop. Ah oui, c'est là-haut que t'avais mis. Ça fait. Je sais pas, ouais. On pourra aller incendier en nord. On pourra peut-être mieux qu'en maille, non? Alors. Oui. T'avais fini tout le toit du coup? Ouais, j'avais fini le toit de la petite annexe, ouais. Puis l'intérieur vite fait, plafond, plancher, un peu d'éclairage. Alors en haut, puisque en bas, si c'est des bureaux, j'ai mis un petit escalier là, hop, et là c'est éclairé dessus-dessous. Hop, hop. Mais pas rustique quoi, pas.
Rien d'autre, quoi. La déco de la grande salle de réunion. Ici, là. Ouais. Ouais, bon, oui, il y a de la place. Hein. Hop, hop, hop. Il y a au moins quelque chose, quand même. Oh, ça, c'est les côtés annexes, donc s'il y a rien, tu sais, c'est pas grave. Hein. Par contre, on va fermer les portes. Parce que... Ah. Quoique la salle de réunion, c'est ce côté-là, il me semble. Si on avait vu la dernière fois. Ouais, c'est plus là. Hein. La grande salle de réunion. Toc, toc. Alors, c'est la caserne, donc, Stengel qui a gagné. Alors, on n'avait pas eu trop de boulot à faire, parce qu'en fait, là, cette fameuse caserne... Alors, en fait, c'est pas du tout une caserne. Hein. C'était une caserne dans le temps. C'est un bâtiment du 18e siècle. Oui. Prêt. Ouais, c'est ça. La caserne des gardes du corps du roi, avant la Révolution française. Donc 18e siècle, classé monument historique. Et en fait, ça a été détruit en 1940, avec comme 60% du centre-ville d'Amiens. Et il n'y a que la façade qui est restée. Et donc ils ont gardé la façade et ils ont reconstruit un bâtiment derrière. Et c'est devenu un immeuble d'habitation en fait. Hop. Oui, voilà. J'ai vu qu'il y avait en fait ils louaient, ils vendaient des apparts en fait. Oui, c'est un truc à louer. Ouais. Alors je suppose qu'il y a 5 étages là-dedans. 2, 3, 4, 5 étages sous combe. Et je me demande si à l'arrière il n'y a pas un double combat. Ah, salut Frex, qui nous dit qu'il y a un dentiste dedans maintenant. Oh, Bark. Oh, oh. Ouais, j'ai regardé aussi. Vous avez regardé aussi le dentiste. Bon, et c'est juste derrière la maison de la culture. Pop, pop. Alors, la façade, elle est classée, donc ils se sont pas embêtés. Les deux côtés sont en briques. L'arrière... Bon, il a été refait en mode moderne. Et oui, il y a deux rangées dans la toiture, sur l'arrière, avec des chiens assis. Et c'est juste derrière la maison de la culture. Bon, bah du coup, on va faire notre petit périple habituel. On part de la préfecture. Ah, on va pas la voir, cette route-là, peut-être. Sinon, ce qui serait bien, c'est de prendre cette route-là et remonter ensuite l'avenue. Toc toc. Et quoi qu'il y a ce grand truc en vert derrière, c'est un centre commercial? Non, c'est la piscine et la patinoire. C'est le fameux Coliseum. D'accord. Ouais, bon, on va faire ça. On va partir au sud, on va prendre la rue de je ne sais plus son nom. Et on va remonter comme ça. Ah, bon, on va passer ici. Pop, pop. Même si la route est pas finie ici. Faute. Donc on fait ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop, allez, on est parti. On jette ça. On n'est plus là, on y va en marchant. Oui, il faut partir au sud du musée de Picardie. Donc je pense, vu le bâtiment... Alors, il est de traviole, hein, il va être de traviole. Je pense que... Ah oui, ça va falloir le refaire. Ouais. Avec maintenant qu'on a les pancartes bleues. Bon, je pense qu'en un live, on devrait le torcher, quoi. C'est du style classique. Très classique même. Alors à l'échelle 1, pas forcément évident de refaire tous les détails. Hein. Il y a des petits chapiteaux au-dessus des fenêtres. Ça va être pas évident. Hein. Et il disait que sur le wiki que c'était une façade blanche. Ouais, encore obligé d'utiliser la brique de lande. Oh, un zèbre. Oh. Tu sais, c'est les zèbres qui font ça. Oh ben, il est bizarre. Hein. Oui, les textures sont toutes moisies. Vu qu'ils ont changé les textures entre des chevaux, entre la 1.14 et la 1.15. Oui, on a fait le musée, on a fait la bibliothèque. Donc là, on arrive un petit peu dans le désert.
celle-là, il y a Peach. Et puis donc là, je vais remonter la rue un petit peu et on va repartir à vers l'ouest. Hop. Je pense, on va regarder la carte vite fait. Ah non, on remonte encore. On remonte encore un cran. Et pas de souci, hein, on vient juste de commencer. Donc on a regardé un petit peu le l'ancienne caserne Stengel. Stengel. Donc là la maison de la culture, pop, qui apparaît. Là-bas l'hôtel de ville, enfin la place de l'hôtel de ville. Donc là on tourne, pop pop. Alors Frex, on fait toute la ville d'Amiens. Donc on l'a étendu assez puisqu'on a été faire le cimetière de la Madeleine, on a été faire le CHU, qui ne sont pas sur le... qui ne sont pas sur le territoire d'Amiens, mais bon, c'était des endroits un peu emblématiques. Et là, ouais, bah là, il faudra refaire un bout de route, quoi. Ouais, pour relier les deux. On passe ici, et donc on est dans la rue, rue Cerisy. Et il y a peut-être moyen de s'adapter. Parce que, voilà, ici, le bâtiment de la caserne Stengel. Ouais. Ah, tu voles, le RP. Voilà, c'est... Tu sais, c'est pour la petite séquence, le jour où je me remettrai à faire des vidéos, la petite séquence du bonhomme qui court... C'est vrai. Qui court d'un endroit qu'on a construit à un autre endroit qu'on a construit. Alors on a un souci, on va avoir un souci de dénivelé. On est sur deux niveaux et au niveau Ah oui, on va avoir un côté de bâtiment qui va être plus bas. Ouais. Ouais. Ah oui, on le sait que c'est énorme comme projet. Hein. Pour l'aspect droit, tu sais, on va... Pop. Pouf. Et là, le bâtiment, bah... Personne n'a rien vu, là. Hop. Merci Aya pour les 20 bits. Alors on a commencé, enfin moi j'ai commencé au début, j'étais tout seul. On a commencé depuis un peu plus de 3 ans. C'est lui, loup-garou blanc. Ce qu'on fera de manière avec toutes les maisons, ça va être le centre. Donc là, on a commencé autour de la cathédrale. Donc le centre de la Somme, bon, canalisé avec y compris Saint-Leu, jusqu'au boulevard extérieur, boulevard intérieur, donc le cirque, la maison Jules Verne, l'église que je ne sais plus son nom ici, à l'ouest, la maison de la culture, là, et puis à l'est, la tour Perret, jusqu'au boulevard, jusqu'au pont Beauvillet. Donc toute cette zone-là, elle sera super bien reproduite. Et après, dans une deuxième phase, on s'écartera un petit peu. Mais on continuera à faire les bâtiments un peu connus. Il nous en reste encore quelques-uns quand même. Et puis, ou les parcs, les grandes places, ce genre de choses. Mais le reste, ça sera moins... forcément, probablement moins vite construit, quoi. C'est l'église Saint-Honoré, là. Ok, merci.
Je retiens pas les noms des églises. J'ai pas habité très 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 longtemps à Amiens. Puis surtout j'habitais à Saint-Acheul. Hop. Oui, donc déjà. Alors ça on va là. Voilà, comme ça, on va avoir quelque chose de droit. Alors, au niveau du dénivelé, ouais. Comment qu'on pourrait faire? Ça m'embêterait de couper la route, c'est-à-dire remonter artificiellement ce truc-là. Ah oui, puis refaire. Ouais. Ouais, parce que là, ça va tout décaler. Ouais. Ouais, parce qu'on a une impression de droit, en fait, ici, hein. Ouais. D'ailleurs, cette route, elle est quasiment droite, hein, ici. Tac, tac, tac. Même ici, le long de la maison de la culture. Ouais, je fais droit, ouais. Peut-être que ça plonge plus par ici. Bon, ici, ça s'écarte un petit peu, mais t'as vu, c'est pas un mètre. Hein. Ici, ouais. C'est un peu plus grand que là-bas. Mais il y a quoi? Il y a 20 cm. Donc on va essayer de s'adapter. On aime bien s'adapter. Hein. Ce qui veut dire que... Ah oui, parce que mine de rien, il y a quand même deux niveaux. Ah oui, non, il y a deux niveaux ici. C'est remonté. Plus là, mais là on est plus 1 par rapport à la rue. Ouais, c'est ça, oui. Ah ouais, brin. Ouais, c'est pour ça que je te dis que ça ferait un gros décalage par rapport à après avec la maison de la culture. Ouais. Parce que ça, ici... où je mets des blocs... on peut le descendre de 1. Ouais. Et faire la limite... Aller faire la limite ici par exemple. Oui, que ça soit à peu près la même hauteur. Ouais, que ça soit la même hauteur là, déjà que ici. Ouais. Et puis là, on peut peut-être jouer sur les hauteurs de trottoir en fait. Puisque là, on est censé avoir un trottoir. Et puis là c'est un parc, donc là ça devrait aller quoi. Ouais. Et ici on serait plus en mode comme ça quoi. Donc là par contre tu décalerais là, ici. Ici on descend tout de 1. Donc c'est pas hyper compliqué, il suffit de faire un move 1D, schlack. On fait ces petits bouts là, schlack. On prend ici, on va. Au moins jusque là, schlack. Pourquoi cette traviole là? Ouais, on le récupérera après, de toute façon, on va le faire droit le bâtiment. Pas s'embêter. Hein. Quitte à repousser un peu là-bas, tac, pour ici avoir, parce que sinon ici on va pas avoir une largeur extraordinaire. Hop. Attends, je descends tout derrière. Hein. Là, le trottoir, il était de 2 ou de 1, je m'en rappelle plus. Je crois qu'il était de 2. Ouais, parce qu'ici il est de 2. Ouais. Hop. Ouais, donc ça fait à partir d'ici quoi. Donc ça. Y a pas de. Hop. Ah bah, c'est pas plus mal. Du coup, le parking il avait une drôle de tronche, il va en avoir une un peu moins quoi. Il était un petit peu penché. Enfin, il mène. Hop.
avec un peu de chance en dessous. Ah non. Faire la mano. À un moment donné, ça va plus vite à la main que. Et là, tu laisses comme ça, Z, ou tu redescends? Non, tu laisses comme ça, là. Non, non, on va le descendre non. aussi. Attends. Ouais, jusqu'au moins ici, là. Par contre, il va falloir rajouter un bout de tronc d'arbre. Regarde, regarde, magique. Ah, ouh, oui. Voilà. par contre, là, avec la route, le trottoir... Ah, éventuellement, le trottoir, on remonte tout de... comme ça ici, d'un demi-bloc. Et puis là, on mettra de la dalle comme ça. Et là, ce qui serait peut-être pas mal, c'est de le faire un peu en traviole, en fait. Donc, ça, on le descend. Ça, on descend ici. Ça. Salut Markcraft, salut Kiki Aventure. Hop. Installez-vous bien. On est parti. Top chrono. On va essayer de faire le bâtiment dans un seul live. On va pas trop le décorer, si. Tu... Bah en fait, au niveau de la déco, j'ai regardé et on n'a rien. Oui, oui, parce que c'est des bâtiments privés, donc. Oui, voilà. Donc peut-être plus extérieur. Ouais, ouais. Intérieur. On va plutôt bosser l'extérieur. Et éventuellement, bah, on fait des appartements classiques, quoi. Oui. Un après, escalier, un ascenseur. Après, si on peut mettre peut-être que moi, je le ferai peut-être après au niveau de la déco intérieure, un petit appart, mais bon. Après, s'il y a 5 étages et qu'ils sont très réguliers, ce qu'on peut faire, c'est qu'on en fait un et on fait des stacks. Hein. Oui, ouais. Un peu comme ce que j'avais fait dans la tour Perret. Hein, j'avais un petit peu triché dans la tour Perret. C'est, y a combien d'étages? 19. Là, c'est 19 fois le même appart. Hein. Hop, ok. Donc ici, on va décaler le bâtiment pop là-bas. Donc ça. Là, c'était bizarre, c'est. Il reste des hauteurs. Ah oui, ben faut les enlever. Ouais. Oui, c'est comme c'est des demi-blocs. On va stacker ça. Regarde, ça va être vite fait. Tac. Stack 1, ça je le sélectionne, je fais un 7-0 et hop, voilà. Lui, on va le descendre aussi. Alors, le problème c'est que ah, si il y en a en dessous, ah bah nickel. Ah non, mais il n'y a pas partout en dessous. C'est moi qui ai fait 2 hauteurs, je pensais que c'était sur 2. Ouais, ah bah nickel. Et puis ici, eh ben on va mettre. Et là, tout le long, t'as du trottoir. Voilà. Ouais. Attends, je vais stacker. Combien ça fait de long? 40? Au moins. J'étais peut-être un peu loin là. Juste 1. Bon. Ah oui, mais par contre, ça fait un décalage. Ah ouais, parce qu'il aurait dû être en... Ouais. En position basse. Bon, sauf que là, le bâtiment, on va le descendre de toute façon. Alors, il a une particularité quand même. C'est que ces deux extrémités ont un petit décalage, hein, comme bien souvent sur ces bâtiments-là. Un petit crack. Un petit décalage d'1 mètre.
ici et ici, et donc ça rentre au milieu. Ouais. Et on voit presque l'intérieur, regarde. Sur Google ouais, Maps. Il y a des petits apparts. Ça, c'est le hall là. Ouais. Ah, ça doit être beau, non, plus l'intérieur du bâtiment là. Bah, je sais pas. Après, ils ont tout refait, hein. C'est du tout moderne l'intérieur, hein, puisque et ça a été refait en 68. Ouais, c'est ça. Ça a été restauré en 68. Donc c'est hyper moderne en fait. Il y a vraiment que la façade qui date du 18e siècle. Tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'on voit des photos sur internet avec il y a que la façade après la deuxième guerre. Donc ouais. C'est rigolo. Enfin c'est rigolo. Non, quand c'est tombé, c'était pas rigolo. Mais après, ça veut dire que ça. Bon, t'as l'impression que c'est un bâtiment ancien, mais 68, il est très moderne, quoi. Il a. Il a 50 ans quand même, hein. Ouais, j'ai regardé là sur le blog de Annick, c'est ça? Ouais. Avant et après. Ah, elle en parle? Bah, on va aller voir, ah, tiens. Ah, elle en parle, franchement, c'est intéressant à regarder. Hein. Et ouais. Annick, donc Eclablog, Stengel. Et on voit bien comment Amiens était détruit, quoi. Ah oui. Et elle explique bien comment il n'y avait que la cathédrale qui était restée, quoi. Ouais, c'est cette fameuse photo là où il n'y a que la cathédrale et. Ouais, je regardais ça tout à l'heure. Mm-hmm. Elle poste plein de photos avant et après, c'est intéressant. Ouais, il est sympa son site. Elle aime bien les oiseaux aussi. Oui. Les statues, ça fait assez... presque un peu du tour communiste. Bon, la mairie d'Amiens était longtemps... Alors, c'est pas... quand on regarde les avant et après, en fait, on voit bien quand même que ça reste à peu près... ils ont pas beaucoup, à part... les façades et tout, mais c'est vraiment resté aux mêmes positions, quoi. Mm-mm. Ils ont pas... C'est rigolo. Bah ouais, Markcraft, le 68, c'est hyper moderne. Par rapport à la base, c'était un bâtiment du 18e, quoi. Avant la Révolution française. Ouais. Bon, puis on parle même pas du Moyen-Âge, quoi. Par rapport au Moyen-Âge, quoi. Donc c'est normal, hein. C'est normal. C'est hyper moderne. Tout en ayant un truc et ça doit même être une copropriété parce que t'as vu il y en a qui sont à vendre. Ouais. Hop. Bah c'est frère. Pub. Là par contre il y a une super fenêtre. Hein. Probablement que ça doit donner sur un grand hall. Fâche. Bon. Alors, on va essayer de faire quand même des petits calculs pour voir un petit peu où on va aller. Ce truc-là fait quelle longueur ? Là, jusqu'à bugger. Hop. Je sais pas. Il fait... J'étais bien aligné. Ah, non, je suis pas à la même hauteur. Pourtant. Ah oui, j'ai un problème. C'est... Ah, j'ai plus de coups. Ah ouais, ça tournicote. Oh là là là, là. Prin. Non, ce qui est bizarre, c'est que le Discord fonctionne. Ah oui, mais il a peut-être pris la DSL là. Bon, je vais essayer de regarder le routeur. Oh, ça marchait, beau duo. Normalement c'est bon. Est-ce que tu m'entends ? Oui, c'est bon. Hop. Ouf. Ah, saleté de carte. Ça tournicotait, donc je me dis tiens.
Soit c'est moi ou... Ouais, je suis retrouvé en réduction de débit du fait que j'ai mangé tout mon forfait, donc il fallait que je bascule de carte SIM. Désolé de d'avoir oublié que ben voilà, ça y est, on a déjà mangé notre quota du mois. Oh, vache. Non, Minecraft, c'est pas toi. Là, ce coup-ci, c'est de ma faute. Enfin, de ma faute. C'est de ma faute. Bah non, c'est pas de ma faute. Donc, c'est tout bon. Ça, je le coupe. Toc, toc, toc. Je reviens là. Je vais me reconnecter. Rejoindre. Normalement, ça passe. Voilà, ça passe. Oui, j'avais un problème dans la calcul, dans le calcul de la longueur. Pourquoi ça? Hop. 55. Ça fait 55 de long. Oh. Alors, bon, déjà on a de la chance puisqu'on arrive à jouer sur l'aspect droit. On va pas avoir à le faire de traviole. C'est impeccable. Et au niveau Deux, trois, quatre, cinq, découpage, six, ben on va se mesurer sept, le centre. Et il est dix, complètement symétrique. ouais, et on a 12 fenêtres. Ouais. Donc, C'est déjà. 55. Alors, je vais prendre de la laine. Tiens, de la laine. De la laine mauve. La moitié de 55. C'est 27,5. Donc, 27. C'est 27, 2 fois 27 plus 1 en fait. Donc si on fait un stack 27, on aura le milieu. Donc le milieu, alors allez, on va le noter. Le milieu, il va être là. Limite, je peux faire un undo. Hop, voilà. Donc si on fait une porte style triple, end, reprendre des briques de l'end, et donc d'ici à ici, on aura quand même 7 fenêtres à caser. On me voit plus. Si, Je suis puni. fenêtre. Ah ouais, j'avais enlevé la webcam quand j'étais parti me balader. Et J'ai 3, 4, 24. 5, 6. C'est 6, Z. C'est 3 et 3. En fenêtre. Ouais, parce que 24, 6 fois 4, ça fait 24. Ouais. Donc on fait des. Si on fait des 4 blocs. Ça fait des éléments comme ça en fait. Tac, tac, tac. De 4 à chaque fois. Donc là, on en a 3. Et puis là, on en a un ici. Ah oui, mais là, on va être juste au bord. Ouais. Ouais, mais là on a vraiment vraiment beaucoup de place, remarque. On peut réduire l'entrée peut-être. Ouais, parce que là en fait on a un petit motif de sur deux de chaque côté. Donc là ça va, c'est potable quand même. Par contre, j'aurais bien quand même décalé ici. On a de la place là-bas pour agrandir, hein, parce qu'il n'y a rien derrière. C'est un désert. Un parc, je crois, non? Un truc Ouais, comme ça. c'est un désert, c'est un parc désert. Parce que là, je ferais bien un truc grassouillet comme ça. Donc là, ça serait hop, voilà.
Oups. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc on va faire qu'une moitié et puis on fera un flip après. Hein. On aime bien ça. T'aimes bien faire les flips. Moi ouais. Ah non, non, non. En plus, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de commande. Ouais, faut jamais arrêter en fait. Parce ouais, il va falloir que je me remette dans le bain hein, parce que ouais, ça fait un bout de temps là que j'en ai pas fait. Est-ce qu'en dessous on mettrait pas un petit de la pierre taillée? Oui, est-ce que ça fait un petit peu. Ça fait un peu gris, donc 7,98. Ouais. Donc là. On ferait un set. Alors, smooth. C'est des smooth. Stone slab. En position ça serait type bottom, donc en bas et hop voilà, et ici par contre t'as vu ils ont la même tronche que les, là où ça fait bizarre mais c'est que ça fait la même tronche que le, ah oui, alors que ça fait comme ça. Oh, ouais. C'est dans la même teinte. Ouais. Ah ouais. Salut mangeur de pizza, salut Carcosian. Et salut Ninote, merci pour le suivi. Là on mettrait peut-être des... Dans le côté de la porte, on peut peut-être mettre ça, Z, pour... Oui, oui, on faut... Là. Ouais. Pour faire comme les rayures, ça fait un truc oui. Des... Alors ce qu'il y a c'est que en les mettant l'un sur l'autre, après ça va, les rayures vont être qu'en bas, mais tant pis ouais. Quoi, on n'a pas vraiment Ou alors le choix. On fait un sur deux peut-être, comme ça, mais aussi. Je dois l'avoir. Ah zut. Je l'ai téléchargé. Ça, ces pierres là elles sont dans Minecraft, on peut pas trop les mettre, ou alors après il faut jouer avec les, éventuellement avec des escaliers, mais à l'échelle 1 ça va pas le faire, c'est à dire que derrière il faut avoir ça et on joue après avec éventuellement des escaliers ou des dalles, mais avec des dalles ça va faire trop. Donc on prend des escaliers de pierre taillée, de laine, et on fait alors soit comme ça, ouais, ça peut être on fait sympa, un truc ouais. Dans ce style là, mais ça fait du relief, donc là par exemple ouais. Avec les fenêtres ça va pas aller, mais à mettre par exemple ici, et puis là... Ah oui, c'est que en haut qu'on a le trait. Ouais. Et là, sachant que la porte, elle va être en arrière. Je garde la laine pour marquer le milieu, hein, parce qu'on en aura besoin pour le flip. Donc... Ah si, ça pourrait encore le faire, remarque. Oui, ça donnerait un petit relief. Ouais, ça donnerait un petit relief, ouais. Et puis on retrouve cet aspect horizontalité, pierre horizontale quoi. Je suis pas hyper fan quand même, mais ouais, mais c'est vrai qu'on a pas beaucoup de, ouais, ça fait genre un trou, des trous quoi. Ouais. Ah, c'est tout de suite grossier quoi avec Minecraft, c'est ça le problème. Ouais. Alors que là, il y a des petits trous. Ce qu'il y a, c'est que ça fait...
Ouais, ça fait bizarre là, sur le côté du bâtiment, mais bon. Wow. Ah, on n'a pas beaucoup de choix après, hein. Non, on n'a pas beaucoup beaucoup de choix. Ah, si, après c'est mettre ces blocs-là, quoi. En fait. Oui, là, les blocs, ouais. Mais qui est, du coup, donne moins de relief. Et ça fait un peu moins. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, quoi? Ce qu'il y a de bien quand t'as de la place, c'est quand tu peux le faire en double comme ça, et après tu mets tes escaliers. Oh oh, Dudu l'a frappé. Et après tu mets tes escaliers comme ça, et ça fait un peu mieux. Mais il faut au moins 3 blocs, quoi. Et là on les a pas, les Ouais, trois c'est blocs. ça. Sinon on va Ouais, se. ouais. Déjà je l'ai un peu agrandi, le bâtiment. Alors, merci Dudule. Hop, donc j'allais lire ça. Il est où Dudule? Il est où Dudule? Elle est où ma fenêtre? Hello, hello. Et merci pour ton 12e mois d'abonnement. Waouh! Un an. Et carotte de Redstone. Merci, merci pour le soutien, hein, depuis un an. Merci de me supporter depuis un an. Et merci à toi. Grand merci à toi. Donc, salut à ceux qui arrivent. Salut au W Typhoon. Un streamer sous Linux, j'y crois pas. Eh ben si. Même si on a été deux doigts de basculer, rebasculer sous Minecraft, sous Microsoft. Hein. Windows, Sous même. Windows. Hein. Ouais. Mais bon, heureusement qu'FS 2020 est buggé jusqu'aux yeux, quoi. Pique pas la machine pour non plus. Et salut Berkelium. Donc, bon, pour l'entrée, par contre, on peut peut-être, on peut peut-être le tenter. Ouais, ça fait une petite modif. Après, ça fait un petit. Parce que ça va faire. Sinon, si on laisse tout comme ça va faire plat, quoi. Enfin, Ouais. faut quand même lui donner un petit truc, quoi. Petit coup de. On stack de combien? Tu veux des fenêtres de combien là? Il est en con. Alors, attends, je regarde sur mon plan. Faut au moins des 4. Non. Au moins 4 parce qu'on a 1, 2, 3 et une petite fenêtre ouais, en plus en hauteur. Ah ouais, ça ferait du 3. Si ça c'est un carré, ça ferait 3. Mais comme il y a la séparation et tout, on va regarder ce que ça donne quand on se met loin. Ouais, si on met 3, ça va être court. Hein. Ouais, vaut mieux mettre 4. Donc je tac 4. Et puis on va remettre. Alors, éventuellement en haut on peut. Mettre de On peut la habiller le haut vitre. des fenêtres comme ça, et puis comme il y a un petit chapiteau. On remet un rang en fait. Comme ça. Et avec les escaliers, ce qu'on va essayer, c'est de faire un. Ah, est-ce que ça risque pas d'être trop haut, ça? Ou dalle, non? Ah oui, non, c'est pour faire les petits trucs. Ouais, ça fait où? Oula, j'ai du mal. J'aime pas les escaliers. Oui, ça fera un an la semaine prochaine. Le mois prochain. Il affiche 12 le truc. Puis t'as la carotte. Non, ça fait moche. Bon, c'est pour essayer de représenter ça. Hein. Mais. Après, Il faudrait quasiment comment le j'ai mettre vu en dessous, en fait. ici là, juste là.
Du coup, on a moins notre effet derrière. Il faudrait peut-être le mettre carrément. Le remettre en 206. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Alors, éventuellement, si on veut le faire ressortir, on peut prendre un escalier en grès. C'est ce que je pensais, ouais. Ou alors, en grès lisse. Ouais. On va en essayer un en grès lisse. Hop. Et en grès. Et puis un en grès. Comme ça, on aura les trois. Ah, j'aime bien en grès, moi. Ça donne un petit... Ouais, ça fait une différence de texture et du coup, il ressort mieux, ouais. Oui, parce que le grès lisse, il ressort pas du tout. Ouais, en grès, ça fait pas mal. Tu commences au mois 1, j'entame le 12e mois. Hein? Ah ouais, oui, ok, oui, c'est ton 12e mois, donc tu commences le 12e mois. Ah ouais. Ouais, mais comme tu l'as commencé et que tu peux pas l'annuler, tu vas forcément le finir. Donc on peut quand même te souhaiter tout de suite un bon anniversaire. T'as vu le gars comment? Allez, hé, hop! Par ici, je t'embrouille, on a encore gagné. Bon, de façon, oui, c'est vrai, Tom, il a quand même payé 12 mois, oui. Le chef, oui. Le chef a toujours raison. Salut, Tommy. Hop. Alors, après, au-dessus, on a des petits carrés. Alors est-ce qu'on les attaque tout de suite ici? Oh oui, parce qu'en fait tu vois la pointe de ouais, elle est quasiment, la fenêtre, elle est quasiment sur la pierre. Par contre là faut que ça soit carré, donc on va faire du... on va le doubler. Hop. Attends, ici c'est l'entrée. L'entrée, elle va jusqu'où? Oh, elle monte. Elle monte colossalement haut. Et l'arche, elle est au niveau de la moitié de la fenêtre. Oh, cool. Salut, oui, Sacré-Pan. Elle est quand même. Elle est vraiment haute, la porte là, ouais. Ouais, elle est costaud. Elle est mouse costaud. Donc ça veut dire que... ouais, c'est au-dessus. Ouais, parce qu'après on a des... comme un genre d'escalier à l'envers. Hein. Bon, là, on est peut-être parti un peu de haut, quoi. Parce que là, ça veut dire que... Oui, on est un peu, peut-être un peu haut, là. Alors, tout redescendre d'un cran. Peut-être. Parce que regarde, sur la photo, la voiture... Le toit de la voiture arrive... Bon, c'est une voiture... c'est une voiture haute. Ok, c'est une espèce de break. On dit break, on dit plus break maintenant, on dit SUV. Ouais. Et les gars, ils ont acheté des bagnoles à 30 000 euros, on dit plus break. Distuve. Ah oui, ça arrive à la hauteur de la fenêtre. Ça arrive à la hauteur de la fenêtre, donc c'est pas 2,50 m, quoi. Ouais. On va tout descendre. Alors, on va sélectionner ça. Oula, attends. On va même sélectionner. Ouais, on va sélectionner ça. En bas, on va sélectionner. Je regarde vers l'est, on va donc faire un... non, vers l'ouest, donc on va faire un expand de 2 vers l'est et on va tout descendre, move 1, down, pouf, voilà. Du coup les fenêtres sont à 1,50 m, oh coucou, on vous voit.
Là, c'est là où il y a le dentiste. Ouais, puis la porte, elle va faire un peu moins... Le dentiste est juste à l'entrée, là ? Enfin... Non, je rigole. Tu vas faire un cabinet... Oh, ça serait sympa, ça, de faire un cabinet de dentiste. Ah ouais, je vais faire... Je sais pas si ça serait sympa. Pourquoi j'ai fait stack 2D ? Il fallait faire un stack 2U. Hop, voilà, c'est mieux. Et puis, on va faire un shift 2U. Et on va remplacer alors les fenêtres. Les vitres, c'était combien ? 80 pour... Ah vache, faut que je dépasse mon carré de chocolat, c'est horrible. c'est horrible. C'est hyper cruel. T'as tout préparé ? Moi j'ai rien préparé. Moi. Bah normalement. J'ai acheté le petit chocolat, mais j'ai rien préparé. 102, c'est 102 les vitres. Donc on fait un replace 102. Oups. Par 206. Ah, c'est pas des 102. Ah, ça doit être des vitres blanches. Non, bon, attends, si, c'est des vitres. C'est. Attends, je vais regarder, voir. Non, c'est des glass pan. Bon, bah tant pis. On va utiliser les termes anglais. Hein. Glass pan. Paf, voilà. Ah, c'est bientôt l'heure du goûter. Il est 16h01. Trop vite. Donc là, à ce niveau-là, on continue notre hauteur, là, notre dessus de porte. Et puis après on va mettre une rangée d'escaliers retournés. Par contre Zed, tu les redescendrais pas d'un cran, tu laisses un écart. Ouais, pour que ça soit aéré quand même, sinon ça va être trop serré. Et puis ça va nous permettre de faire du plancher derrière parce que... Ah bah oui c'est vrai, oui, ça aussi. Si on met pas de bloc... Ouais, ça va arriver... Ouais. Là on va avoir le plancher ici et ici ici on va creuser hein. Alors, le plancher ici on s'en occupera tout à l'heure ça. Donc ici on va se refaire un stack, alors sauf ici. Donc stack 1U et ici on va mettre du bloc traditionnel. Il y a une statue incrustée dans le mur. Ensuite, on recommence. Parce que c'est les mêmes fenêtres qu'au premier. Ouais. Donc là, c'est... Sauf que ça sera... là, ça sera des dalles en séparation. Ouais. Donc, je sélectionne. Attends, si on veut prendre ça, on va sélectionner ça. Jusque... Bah on va pas reprendre la porte, ça sert à rien. Jusque là, tac. Et je fais un stack 1U. Paf. Tranquille, peinard. Hop. Et ici, ça serait plutôt de la dalle. La dalle de grès. Pour oui. Rester dans la même... Oui, pour rester dans... Ouais, que ça passe un petit motif. Ouf. C'était un peu brutal. Hop. Ah,
Ça va faire grand. Ouais. Plus grand que dans la réalité. Et alors au milieu, il y a une fenêtre monumentale de chez Monumental. Ouais, elle arrive. Bah la deuxième. Ah ouais, elle arrive à peu près à la hauteur de cette fenêtre là. Enfin ici quoi. Ouais. En gros. Bah, c'est une triple hein, en fait. Hein. Hop là. Bon, on va stacker. Stack 4. Attends. Ah oui, parce que là ça sera comme ça. Et ici ça sera. Ouais, il y a un bloc. Ouais, comme ça. Après on le flippera, donc on peut le faire tout de suite. Remarque. Sinon on voit pas bien. Côté, on a une... Ah bah c'est bien, on va pouvoir mettre les petites statues du coup. Mais on les mettra peut-être après, si tu flippes, elles vont pas passer avec le flip si. Les statues? Non, ouais, il faudra peut-être mieux les mettre après. On les mettra après, ouais. Puis autrement, on a quoi? On a sur le dessus. Ouais, on a une espèce de petit dessin. Alors là, on peut peut-être là, on a mettre un grand chapiteau, donc. Oui, là, on s'installera une statue. Ouais. Là, on a un petit dessin, donc faudrait mettre un bloc sculpté. Et puis, bah là, on part sur du grès. Hop. On met à peu près ici. Ou là peut-être. Ouais, je pense que ça sera mieux ici. Ouais, plus sur l'écart. Ouais. Sur l'écart, ouais. Et là-haut. Ah vache. Et en fait, quand on regarde. Ouais, non, ici c'est du 206 en fait. Il n'y a pas de. De bordure spécifique. Hop. Par contre, il y aura le. Peut-être qu'il faudrait presque installer un bloc comme ça ici pour le support de la statue, quoi. Alors, salut Alvard. Merci pour le suivi. Bon, et ben là derrière, on va attaquer le toit. Donc toit. Ah non, c'est pas un toit mansardé. Il y a juste sous chaque fenêtre, il y a un petit chien assis. Rouf, oui. Rouf. Bon. Oui, c'est aussi la chaîne de l'humour. Et puis c'est comme ça que ça s'appelle surtout. Alors, au niveau longueur, par contre, je pense qu'on va être plus haut que ce que n'est le bâtiment. Hein. Surtout quand on regarde la maison de la culture à côté, là. Il faudrait regarder dans Google Maps. Mais par rapport à la maison de la culture. Attends, je vais mettre mon petit. Je vais mettre mon petit bonhomme jaune. Hop, viens là. Ici. Ah, quoique. Ah oui, ah. Quoique, comme tu dis. On arrive à peu près à la même hauteur que la maison de la culture, hein, sur le côté là. Quand on regarde là. Hein. Ouais, quand on regarde. Oui. Ouais, c'est à peu près. Mais bon, la différence de taille doit pas être énorme. Hein, alors que nous. Il faudrait un jungle. Nous, on est. L'étage, il correspond en fait au. À la bordure là, alors que je pense qu'il doit être un peu plus haut.
Mais bon. Échelle 1, c'est pas évident. Hein. Ouais. Est-ce qu'on flippe la façade tout de suite? Oui, comme ça je vais noter maintenant. Je vais renoter. Alors. Donc j'ai sélectionné sur le même X et on va donc expandre de 2 vers l'est. Donc je me mets au milieu, je fais un copy. Donc il faut flipper, mettons dans cette direction là, donc vers le nord. Donc on fait un slash flip nord. Et si c'est pas ça, bah il faut faire dans l'autre direction. Un paste. Hop, et c'est bon. Bon, donc c'était bon. Ouais, c'est ça. Le plus simple pour savoir dans quel sens faut flipper, c'est tu dis, tu regardes ton côté, tu regardes l'autre, enfin là où il n'y a rien, mais là où tu veux le faire la copie en miroir, et donc c'est vers le nord, donc tu fais un flip N, flip nord, et puis paste. Et là, quand tu as copié, en fait, là, c'était plus... Ouais. Par contre, ici, du coup, aussi, Ah oui, là on va avoir un... Ah oui, c'était le décalage qu'on avait tout à l'heure, ouais, en fait, Z. Par rapport au trottoir. C'est ça, ouais. Ah oui, sauf que, oui, le décalage, il est... Bah là, on doit être comme ça, en fait. Ça veut dire qu'il faut faire un peu plus de... Et de trottoir. Non, non, de pierre taillée qui descend en fait. On fait un coup de sélection ici, sélection là et 7,98. Hop. Salut Ubis. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Là, on remet la même épaisseur comme ça ou on laisse, oui, au mieux. Ouais, là, on passe pas aussi. On va le refaire comme ça, quoi. Il faut toujours réussir à passer, c'est quand même un trottoir. Ouais, ça, ouais, c'est bon. Salut, team, team du 83. Et salut, Xiliax. C'est un message politique, tu regardes vers le nord et tu flippes. non. Mais non. Bon, façade faite. Il est 16h. Une heure de boulot. Bon, c'était le plus dur. Hein. Maintenant, on va goûter. Et on va laisser Lynn travailler. Bah, les côtés, c'est de la... les côtés, c'est de la brique. Donc ça va être facile. Attends, c'est pas sur celui... Ah, non, on fera le tout après. On va faire les deux côtés et puis l'arrière. Donc l'arrière c'est de la brique, c'est et il y a trois fenêtres. Enfin c'est un mélange de briques et de broc. De briques et de broc. D'où l'expression mélange de briques et de broc. Voilà. Briques et broc. Salut Lorenzo, salut Screed. Ça par contre on enlève. Hein. Oui, c'est censé marquer un trottoir en fait. Hein. C'est-à-dire que, c'était là C'était là. Parce que le trottoir est assez épais donc. Ouais, pas
parce que les fenêtres sont à ce niveau-là. Donc le bas, c'est de la... Alors c'est pas de la pierre taillée. Il est vachement large ce bâtiment. Ouais. On dirait pas comme ça. Ouais, on dirait pas comme ça. Et c'est de la brique. Et après, c'est de la brique, ouais. Il y a une porte. Alors comment on va le séparer? On va prendre la longueur. Ça fait 21. 21 divisé par 4. Ah, ça aurait été par oui, par quatre. Ça aurait été par 3, ça aurait été mieux, mais Oui, comme il y a 4 zones. ça fait Ah. 5,25. Après, tu sais, on peut diviser par... on divise par 2. Alors ouais, comme c'est du double du pair, il va falloir décaler. On divise par 2, il y a une fenêtre. Ouais. Donc 21, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le milieu est ici. Mettons qu'on décale par là. Là, on se met au milieu. Non, là on a deux. Là on a quatre. Donc ça sera plutôt ici. Où est-ce que j'ai de la brique? De la brique. Donc 3. 3. 3. On fait une porte. Et 3. Oh, dis donc, et on aurait voulu le faire. C'était scripté, hein, bien sûr, tout est calculé. Ouais, parce que 21 moins 6, c'est-à-dire les deux fenêtres plus la porte, ça fait 15. 15 divisé par 4. Non, ça va pas. Ah ouais, non, ça va pas parce qu'il y a ça là. Ça, ici, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave vu que c'est une porte. On dit que c'est valide. Alors, les fenêtres ont la même taille. Elles avaient quelle taille ici? 4. Donc, stack 4. Shift 4 U. Et replace. Où est mon replace? Hop, hein, part du 45. Pouf. Ah, on n'a pas fait la porte. On a deux fenêtres fermées, mais c'est pas grave, on met des vitres. Stack de Pardon. C'est des petites fenêtres et après on a. Ouais, Par c'est des petits contre, ouais. carrés. Ouais, après on a pareil, on a fenêtres et petits carrés. Et puis après on redouble le truc. Donc stack de U, shift de U, replace, tac. Puis on a la même, on refait les mêmes escaliers, du coup là, sur le côté. Ouais. Oui, et en blanc en fait, hein, puisqu'il se Ici continue là. pareil. Ouais, vas-y. Je vais même un stack 3 U. Ah non, même pas la peine. On va resélectionner ça. Ça. Et on fait un stack 1 U. Pof. Et puis, nous, on n'a rien d'autre, mis à part le... On aurait peut-être pu tenter des 3 seulement au lieu de Ouais, ça 4. fait ouf, ouais.
ça fait haut, hein, je trouve, quand même. Ouais, mais vu de loin, il fait pas mal, ce bâtiment. Il a une belle proportion, quand même. Hein. ASMR chocolat. Donc là, c'est ASMR banane. Ouais, d'ailleurs, il va falloir que j'aille chercher mon petit thé et ma banane. J'ai fini l'école. Ah, moi aussi, j'ai fini l'école. Et depuis un moment. Je plaisante, hein. Je plaisante. Là, on a... Pareil, on a la rebelote d'escalier. Ouais. Alors, les tours de fenêtres sont blancs, mais si on les fait, ça va faire trop gros. Oui. Salut la cuirasse belge. Ouais, parce qu'en fait, les fenêtres, les portes, elles ont une taille démesurée, là. Elles font 4 mètres. Et... Mais j'ai peur qu'en les mettant à 3... Pas très kiki. Ouais. Non, c'est quand même une ancienne caserne, quoi. Du 18e siècle, il faut que ça pétouille. Elle a la voix cassée, Lynn, demande Reboots. Non, bah, j'ai toujours ma voix, elle a toujours été comme ça. Ouais, elle a une voix grave. C'est parce qu'elle parle, elle parle beaucoup, c'est pour ça. Ouais, et puis c'est pour ça qu'on dit que des fois, c'est un homme qui parle avec toi. Lynn, c'est une fille. Et moitié homme aussi. Ça, c'était une chanson de... Ah oui, moitié homme, moitié robot. Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, puis il faut dire aussi que je suis une ancienne fumeuse, donc c'est pour ça que j'ai la voix cassée. Oui, voilà. Voilà. Donc ne fumez pas. Mais jamais. Jamais. Voilà. Pas bien. Vous ne passerez pas. On va le flipper. Donc pareil, on le sélectionne. Tac, tac. J'ai sélectionné les sur deux bords. Je vais me mettre là-bas. Au centre. Je fais un copy. Oui, tu sélectionnes seulement et c'est tout. Ouais, ouais. Un flip nord. Et un paste. Et pouf, ah. Ça me le met là-bas. Ah, mais c'est plus pratique que faire un copier-coller, là. Paste. Ah bah oui, parce que surtout, ça te le met dans le bon sens. Sinon, il faut faire un copy. Il faut que tu fasses un rotat 180. Bah oui. Donc et en tu, fait, et que tu viennes le remettre ici. Ton bâtiment, pop pop, de chaque côté comme une copie en gros. Ouais. Ok. Tu vas au milieu de ton bâtiment et après tu fais un flip que tu regardes, alors donc c'est un flip nord. Ouais. Parce que c'est vers le nord en fait. Ok. Ah ouais, bah oui, c'est bien plus simple que. C'est bien plus simple qu'un. Ouais, parce que sinon t'as une rotate et tout à faire quoi. Hmm. Et en plus, si tu fais un rotate, tu auras ta porte qui sera ici. Alors, c'est pas forcément gênant, mais... Ouais. Bon, là, s'il y a une porte de ce côté-là, je sais pas s'il y a une porte de ce côté-là. De l'autre côté, on va aller voir. Ah. Ah, problème. Allô, Houston ? On ne voit pas où est la porte. C'est un scandale. Puissant. T'as la ref reboot, c'est bien. Carcosian, il dit c'est depuis Sherlock, c'est fini au moins. Et j'étais pas né, hein, quand elle chantait. Oh. Il y a prescription, de toute façon. Bien. Bon, et moi je me mets en mute. Ouais. Et je vais faire mon petit thé et chercher ma petite banane. Ok, ben bonne petite banane. Pour ce temps-là, je vais papoter. Est-ce qu'on voit l'arrière là ? Ah, l'arrière est là. Ouais, c'est un espèce de crépi sur l'arrière. Ah oui, puis c'est pas du tout les mêmes fenêtres. Ah, ouais, c'est des fenêtres modernes.
Ah ouais, sur l'arrière, Ouais. Bon. On va prendre... Elle est où? Attends, je suis perdu. La maison de la culture. Attends, on va le réorienter vers le nord. Elle est là, la maison de la culture. Ah ouais, je confondais avec ça, c'est les halles. Et encore un gros morceau à faire, les halles. On l'oublie, hein, juste à côté de Jbedouf. C'est assez moche, hein. C'est même très moche en fait. Mais bon, c'est en plein centre d'Amiens. Hein. Donc, la maison de la culture, là notre caserne d'Angèle. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah ouais. Alors, il y a trois fenêtres là, toc toc toc, donc c'est pareil. Mais au milieu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fenêtres. Ah non, 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 c'est pas possible ça. Non, pas 8 fenêtres. Pas un nombre pair. Mais vous ne respectez rien. Mais ils ne respectent rien, ces gens-là. Ce sont des monstres. Par contre... Ah, c'est pareil. Par contre, il y a bien l'aspect tchouk tchouk. On le voit au niveau du toit. Hein. Qui d'ailleurs est plat en haut, c'est marrant, on dirait. On a l'impression qu'il est... c'est un plat. Un toit plat. Il n'y a pas de faîtière en fait, ouais. C'est moi que v'là. Salut à toi, c'est moi que v'là. Installe-toi bien, mets-toi à ton aise. Alors, comment qu'on va faire? Je tiste ouvert l'eau. Hop. Donc là, on va se faire un petit hop. Hop. Si c'est si le dentiste elle est là, ouais, faut au moins ça quoi. Je vais préparer ça. Ouais, c'est le cabinet du dentiste là. Faut une mare de sang. J'ai un peu décoré le cabinet du dentiste. C'est vrai? Et salut Alexia. J'ai fait une petite mare de sang. Ah bah quand il arrache les dents. Alors par contre, je suis pas sûr de. Il y a un sacré décalage au niveau du cadastre. Sur l'arrière du bâtiment, ouais. Et ça s'expliquerait limite par le. Ouais, à l'arrière, il y a peut-être un plus gros décalage qu'à l'avant. Alors pour ça, je peux essayer de vous montrer le site du cadastre. Donc ville 80 000. Il y a un paquet de fenêtres. On y a aussi accès par le géoportail. Il y en a 8. Oups là. Alors. Je vais essayer de recentrer ça. Pouf. Alors, plus, plus, plus. Ça doit être dans ce coin-là à peu près. Faut connaître, pour s'y retrouver, faut connaître. Donc ça, c'est les halles. Hop, hop. Bah, il est là le truc. Plus, plus. Il est là. Ah ouais, il est un peu plus décalé. Donc là, il y a un outil avancé. Il y a mesurer, hop, la petite règle. Et ici, on fait un clic, un deuxième clic, et il nous dit 1,78 m. Alors qu'ici, on avait 0,81. On pourrait presque décaler deux crans, mais il va falloir faire gaffe avec le toit. Oui. Si on veut pas être enquiquiné avec le toit,
Tu peux faire une formation pour cadastre. Ça m'évitera que les gens viennent me demander. Bah voilà, ça y est, j'ai fait la formation. Ouais, faut faire gaffe au toit. Tu me diras, si ici c'est pair. On a 16 mètres. Ah. Du coup, où est Minecraft? Pour mesurer, on prend un bloc, on fait un stack, donc 16 mètres, on fait un stack 15. Et pouf. Bah ça fait 16. Oui, ça fait 16. On tomberait là. Mais là-bas, t'as vu, on est à... Si on fait 2... On tomberait plutôt ici. Hein. Donc on est plutôt à 18 mètres en fait. Ouais. Bon. Vu qu'on l'a un peu allongé, c'est pas choquant. J'aurais pu faire un undo pour enlever ça. Par rapport au quoi ça... au quoi, oui, bien sûr. Au toit, ça va faire un petit écart quand même. Là, surtout, la... en fait, il est plat le haut. Donc. En fait, ça gêne pas. C'est, je pensais que ça serait la galère, mais non, parce que comme il est plat, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, qu'on fasse. Qu'on ait un plat de 2 ou 3, on s'en moque que ça soit pair ou impair, en fait. Ça change rien. Mmh. Et puis là, il y a juste un décalage. En fait, le décalage de toit ici, il est plus grand sur l'arrière que sur l'avant. Voilà. C'est tout. Ah oui, donc ça va. Donc ça nous embête pas. Bah, par contre, on a 8 fenêtres derrière. Ça nous arrange. Ouais, 8 fenêtres. Alors attends là. Hop. Et on a une porte. Je me suis trompé. Tac, tac, tac. Blablabla. Ouais, ça va jusque là. On a une ici. Porte. 2, 3, 4, 5, 6. Bah, on a une porte au milieu en fait. Il y a une porte? C'est une porte au milieu? Ouais, enfin, ouais, je pense que. Ah, mais elle est pas au milieu si on a 8. Ou alors il y en a pas 8. 1, 2, 3, non, il y en a 3 d'un côté. Et 4 de l'autre. 1, 2, 3, 4, ouais, et 4 de l'autre. En fait, la 8ème en fait, c'est la porte. En fait, si on dit que le milieu est là. Pop, 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 pop. Hop. C'est-à-dire que là, hop. Donc, t'as dit que la porte, elle était où? Sur le côté droite. Oui, sur la droite, oui. Donc là, là on a une porte. Et après, on a 3 fenêtres. Alors, plutôt. 1, 2, 3, ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça va faire bizarre, ça. Non, parce qu'elles sont régulières. Le problème des fenêtres régulières. Puis c'est des petites fenêtres, non? Elles sont pas plus petites, les fenêtres. Ouais, elles sont plus petites, mais on n'y arrivera pas. Ah. Parce qu'en fait, si on en met un tous les... si on met une fenêtre de 2 tous les 1. Ouais. Ici, on a 3. Et ici, normalement, ça devrait être bon. Il va falloir qu'on descende ce truc là parce que ça va pas le faire. Rien. Donc ici, tac, deux, tac. Trois. Et ici on a 3. Mais si on met 2, on les écarte trop quoi. Tant pis, on va faire comme ça. Hein. On n'a pas le choix. Parce que si on fait des fenêtres de 1, bah ça va faire. Donc faut les écarter de 2. Voilà.
Ouais, ça fait pas mieux en fait. 1, 2, 3, 4. Non, ça fait... Ah, ce qu'il y a, c'est que ça fait moins écarté parce que... Oui, puis ça fait un peu moins grand. Après, je sais pas. Allo Houston, on a un problème. Ah oui, parce qu'on met deux. Donc, au niveau du centre, ouais, si on met deux, on est coincé. Ouais. On a un truc... Non, bon, on va faire deux, je pense. Oui, parce que les fenêtres, en fait, sont plus petites que l'espace qui est entre les fenêtres, l'intervalle. On le voit ici, hein. L'espace est plus grand que les fenêtres, alors que si on fait des fenêtres de 2, on a les fenêtres qui sont plus grandes que l'espace. Donc ça serait mieux que ça soit du 1, mais là, ça veut dire qu'ici, il faut faire un 3. Hop, et on finit avec un 3 ici. Ouais, on va La peut-être faire. porte, on pourrait la faire juste au milieu. Bah non, puisqu'elle est décalée. Non, la porte, on la fera ici. Hop. Ici. Alors, faut pousser tout Là, ça de ça fait 2. 3. Là, ça fait 3. Ouais, bah c'est pas plus mal hein, d'une Hein. petite Ouais, on va faire un comme petit ça. 3. Dessous c'est pareil, on remet de la stone. Uniquement à l'endroit où où c'est plus bas. Oui, parce qu'on a une descente après. Oui. Alors, les autres fenêtres sont également de 1. Du coup, parce qu'elles ont toutes la même taille. Pas casser un truc, la Z. Il en faut 3. 1. Là, je Ouais. crois que j'ai fait une bêtise. Ouais, c'est tous les deux. Donc c'est ici. Là, c'est ici comme ça. Et on en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est une porte. Le rouge, c'est la porte. Salut Charnay, salut Thibaut. Et salut Ultra Mastery. Merci pour le suivi. Et il y a 4. Oui, 4 qui correspondent aux 4 planchers en fait, hein. Donc si on met le plancher. Alors on va virer le sable, hein. Commence à nous énerver ce sable. Oui. Puis le gravier aussi du coup. Donc replace 12 par 0. Paf. Replace 13 par 0. Paf. Allez. Ici par contre on va le replacer par... je mets du plancher mais... plancher. Hop. Du plancher partout. Hein? On met du plancher partout. Ouais, sauf dans les parties communes au milieu, dans le haut, les hautes, je pense que ça sera du pavé. Et tout le reste, c'est du plancher, ouais, on va pas s'embêter. Hop. On va pas s'enquiquiner, moi je dis. Point à l'eau pour se faire du mot. C'est 5 le plancher de chêne. Ouais. Si tu cherches, je code. Par contre, du Ah, coup. mais tu veux... D'accord. Nos fenêtres, elles vont quand même commencer là, quoi.
bien la chèvre. Hein. Peut-être que Mojang va m'embaucher pour faire les bruitages pour la saison. Ouais, objectif 18h, on a fini le bâtiment. Ce serait cool. Je pense que c'est pas forcément un objectif infaisable. Le bâtiment est simple. On a fait beaucoup plus compliqué. On commence à devenir assez costaud même. Hein. 3. Ouais, c'est bon. Et il est tout droit. Bon, normalement, il n'était pas tout à fait droit, mais on sait. Mais là, vu qu'il y a la porte ici, peut-être que. Ouais, il doit y avoir une partie commune qui relie le. On va faire un grand hall. Et puis. Oui, comme ça, on n'aura pas. Oui, on reste sur la même. Bah, si tu veux, avant qu'on fasse les étages. Alors je le fais comme ça, mais en fait c'est lisse. On va presque utiliser la. On peut le changer après, remarque. La pierre lisse. Il y a du bloc lisse. Oui. Ah oui, il y a le grès lisse. Le grès lisse. Ouais, qu'est-ce qu'il ça. Donne ? Qu'est-ce qu'il nous donne le grès lisse ? Ah, c'est après joli, hein. Ouais, ouais. Mm. Ah ouais, c'est après joli. Alors, ça, c'est pas compliqué à faire. Hein. Hop. Bon, déjà, on va faire qu'une moitié, hein, puis on flippera. Ouais. Ça, c'est bon. On va l'expandre. Deux par là et on fait un replace 206 par ça doit être du smooth sandstone. Ouais, ça doit être ça. Hop, concentré. C'est vrai, on est concentré. Ouais, très bah, comme toujours. Alors ouais, parce que ce que je voulais repérer, c'était où sont les étages pour voir où sont les fenêtres. Hop. Donc, peut-être pas de la brique là. Tac 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 tac. Premier étage, on arrive là. Deuxième étage. Combien on a d'écart ? Là, on a 5 mètres sous plafond. Là, on a 4 mètres. Ouh, là on a 5 mètres. Oui. Puis après. Et puis là, bah, a priori, on va avoir 4 mètres. Hein. 4, ouais. Enfin, on verra bien à ce moment-là. Donc. Parce que là, toutes les fenêtres sont identiques. Oui. Donc, ça nous donne les hauteurs des fenêtres. Puisque ça veut dire que bah, si c'est des fenêtres de 2 mètres, puisqu'elles sont petites, bah là ça veut dire que. Elles sont peut-être plus grandes que ça en fait, parce que. On va y arriver, on va y arriver. Hein, combien d'étages là ? 4. 1, 2, 3, 4, 4. Oui, bah c'est, de toute façon c'est le même. Là. Parce que là t'as vu l'écart qu'il y a entre les deux ? Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Et là, on en revient au truc du est-ce qu'on raboterait pas le rez-de-chaussée et le deuxième étage. Mais bon, ça ferait pas forcément un truc. Après, c'est sur l'arrière. Hein. On peut peut-être mettre des fenêtres de 3 au lieu de mettre de 2, non, en hauteur. Faudrait le tester. Vu qu'on a des fenêtres de 4 devant. Oh, Quentin, il est pas bien futé, hein. Vache, allez, ban. Hop, au revoir.
Par contre, vu que ça fait du 3 sur 1, ça va être vraiment très allongé, quoi. Oh, quoi que ça dépend, après. Avec toute une façade, peut-être que... Ça choquera pas... Se faire un petit copie. Et donc, on va se faire un petit paste. Paste là. Faut que ça fasse ça vinaigre là. Ici aussi, mais c'est la porte. Est-ce qu'on a un petit peu de détails par rapport à la façade? Sinon, ouais, c'est sur les chaque côté, on a l'escalier. Autrement, on n'a rien du tout. Ouais, ils font plus petites les fenêtres, mais bon. En fait, il fait un... Là, on voit qu'on a étiré le bâtiment, quoi. Ouais. Ah, salut Naruto. Après c'est maintenant hein, qui si on veut le après ça sera plus galère pour le ramasser. Stack 12 vers le haut. Alors c'est là où on s'aperçoit qu'il est très haut. Ouais, 14, le petit joueur, au moins 20 hein. Il faut au moins 20, voilà, stack 20. Ouais, parce que ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est réduire de 1 ici, là, à ce niveau-là. Ouais. Redescendre les fenêtres, ces fenêtres-là, en fait. Oui, donc après, tout descendrait de 1, en fait. Ouais. Donc là, on ferait des fenêtres de 2 sur 3. Après, ça ferait un truc... ça fait pas moche hein. Ouais. Je pense parce que ça fait trop derrière, ça fait bizarre. Ouais, je pense que par rapport à la réalité, il est aussi un peu trop élancé quoi. Ouais. Bon après, si on le fait qu'avec des commandes, si ça nous plaît pas, on peut le remettre d'aplomb avec des undo. Il faut faire une sélection. Alors, il faut faire une sélection assez large pour pas être embêté. Ici. Ensuite, on va de l'autre côté. Donc, si on veut. Couper ça vers là. Bon ben là on se fait une sélection ici. On fait ça. Et on fait donc un move 1 vers le bas. Schlack. On refait pareil ici. Donc là, on sélectionne celui-là. J'ai pas besoin de resélectionner l'autre. Tac. Qu'est-ce que ça donne? Non, ça fait pas ridicule. Hein. Il est moins élevé de deux blocs. Donc je pense que ça doit se voir un peu. L'original est... Comme ça.
Oui, il y a que là. Non, et qu'ici, en fait, au niveau des escaliers, c'est plus... ils sont plus à ce niveau-là des fenêtres. Non, ça fait, ça le fait. Hein. On va le garder comme ça. Hop. Et merci, LOL Manigance, et bienvenue. Bienvenue à toi. Merci pour ton message. Hop. Et salut Albator. Donc, bon, on part là-dessus. Alors du coup, ici, il y a des fenêtres qui se sont fait tchouk. Ah ouais. Alors, on va peut-être les remettre à deux. Ça fait quand même plus naturel comme fenêtre moderne du 2x1 que du 2x, du 3x1. Puisqu'on veut essayer de retrouver les vraies proportions. On est un peu coincé là-dessus. Hop. Et donc ici, pareil. Ok. Ça, c'est... Là, sur ce côté-là, en fait, on a... Il n'y a qu'un côté, enfin, au niveau de la... Dans les escaliers, ici. Ça s'arrête là, le milieu est normal, quoi. Sur les côtés ? C'est ça. Oui, on a... De chaque côté, on a une petite bordure. Je sais pas si tu d'accord. Vois. D'accord. Bah, j'ai pas repéré de vue de côté... Attends, tip-top. Ça fait un peu ça, en fait. Oula. C'est celle-là qu'il me faut. Voilà. Oui, parce qu'au milieu, c'est lisse. C'est lisse complètement. Oui, c'est ça. Mmh. Et on a deux rangées de chiens assis. Mais t'as un endroit où tu l'as repéré sur les côtés, toi. Hop. En fait, quand tu vas en hauteur, tu vois mieux. Et tu vas derrière avec Google Maps. Ah, en vue aérienne. Voilà, c'est ça. Et là, on voit qu'il y a une petite bordure sur chaque côté du bâtiment. Ah oui, ok. Ouais, ouais. On la voit aussi comme ça, ouais. Ouais, elle fait même le retour. Oui. Ouais. Hop. Oui, bah, j'ai fait une... Bah, j'ai la même, là, en fait. Ouais, parce que là... Si on se met ici... Ouais, on est trop loin. Non, bah on l'a loupé. Ah, il fallait être plus par ici. Mais là, on voit pas grand chose. Ouais, voilà. On voit pas les côtés. Ah, la bordure, elle est ici, oui, elle est là, peut-être. Ouais. Hop. Ok, Dak. Bon. Eh bien, on va splitter ça. Donc, comme d'hab, je sélectionne ici. Je sélectionne... On va s'écarter un peu. Ici. On se met au milieu. Le milieu est là. Donc, slash slash copy flip nord. Et slash slash paste et hop. Ah ok, stack 20 il est monté trop. Le chat il est en mode lent. Ah oui, tu l'avais passé en mode lent hier. Je l'ai pas enlevé. Ah, je vais l'enlever. Alors. Ah oui, c'est vrai, avec le raid, du coup... Ah, c'est bon, ça y est. Ça devrait être normal. Là. Alors, avant d'aller avant d'attaquer le toit, ouais, on est dans les temps, il nous reste une grosseur. Là, j'ai mis le couloir comme ça, là.
Ouais. Par ça, on peut contre, l'enlever. Au niveau des portes, on les ferait comment, Zed? C'est une grosse porte grise. Ouais. Ça, je l'enlève. Où les dessins. Ah, c'est même du sol en... clair, d'ailleurs. Merci à Yapitch. C'est même du sol en clair, c'est même pas. Allez, fin de journée pour moi, je n'aurai pas le temps de revenir avant que tu finisses ton live, alors à demain. Eh ben, bonne fin de journée à toi et à demain. Bonne fin de journée, Aya. Et salut Gnoupix. Lol Manigance, ce que je t'avais salué, ouais je crois. Pop hop. L'UPJV. L'université. Jules Verne. LP c'est quoi? On n'a pas fait grand chose au niveau universitaire. Hein. Ça a souvent été proposé dans les votes, mais les gens ils proposent et après ils viennent pas voter. Alors oui, ils sont pas beaucoup à voter. Donc il y a d'autres choses qui passent. Parce que le principe, hein, c'est ça. Vous... Une fois qu'on a fini un bâtiment, il y a des propositions. Ça va assez vite. Hein. Maintenant, en une heure, c'est clos. Et on vote. Et c'est ce qui gagne le vote qui est construit. Donc, au niveau scolarité supérieure, on a fait le ZIE, ESIE. Mais c'est pas l'université, ça. Je crois que c'est plus ou moins privé. Hop, hop. On a fait la citadelle, mais en version 1, avant les travaux. Ouais, donc, comment on va s'en sortir sur cette histoire? Salut Christo. Et salut Thibaut. Thibaut, c'est un nom qui me dit quelque chose. Non, c'est peut-être d'une autre fois. Salut Thibaut. Qu'est-ce que je cherche? La photo. Ouais, pour la porte. Pour la porte, c'est du gris. Ouais. C'est du gris de brun. c'est du gris de brun. C'est presque de l'écorce d'acacia, il y aurait. Mais bon, derrière, c'est du bois rose, quoi. Donc, ça va pas. En fait, ça va pas. On va donc, on va faire un autre. Qu'est-ce qu'on va choisir? On peut prendre du. En bois, on va. Ou alors, on prend de l'acajou. Ouais. Alors je la fais fermer pour l'instant, on l'ouvrira après. Oui. Parce que comme elle est... On aurait pu se prendre un bois gratté là. Ouais mais il n'y a pas vraiment de grille. Hein. Bois d'acajou écorcé. Ça va faire un peu couleur. Ah oui, mais c'est un peu verdâtre. Après, c'est la Picardie, hein. C'est humide. Par contre, la porte, oui. Non, elle s'ouvre pas aussi loin que ça. Si on veut faire la porte ouverte, on fait comme ça. Puis, c'est pas évident en 3. Hein. Non. Parce qu'on a toujours pas de dalle verticale. Après on peut pour faire les portes, on peut mais ça va cacher le bois. Parce qu'on aurait pu mettre des dalles. Pas des dalles, des trappes. Pour faire un petit peu de détail mais ouais, mais bon, on va avoir un peu le même souci, quoi. Ouais. Du coup, ça fait une grande porte, hein. Ah oui, non, j'ai été trop loin, là.
Ah ouais, elle est mouse costaud cette porte. J'ai mis un sol comme ça, mais on peut mettre un sol clair parce qu'apparemment, sur la photo qu'on voit, il y a la porte, c'est un sol clair, mais bon. Ouais, c'est pas gênant ça. Par contre, attends, je suis en train de délimiter. Si on fait un hall comme ça. Donc là, il y a des espèces de portes ici, ici. Faut qu'on ait un escalier. Faut qu'on ait un ascenseur et puis un escalier. La Picardie n'est pas aussi humide que ça, dit Gnoopix. Quand même, hein. Allez, demi-dalle, c'est-à-dire les quarts de bloc, ça sera intéressant aussi. Hein. Donc, on a une dalle et on recoupe la dalle en deux, quoi. Pour avoir juste un tout petit... Un petit truc, quoi. Et qu'on puisse orienter comme ça, qu'on puisse orienter vers le haut. Alors là, ça serait top, hein. Là, ça serait vraiment formidable. Vraiment, vraiment, vraiment formidable. Mais bon. Oui, parce qu'après, derrière, si tout ça s'est découpé en appartement, il faut un... Comment dire ? Un ascenseur. Et puis un couloir, surtout pour... Donc le couloir, il faut qu'il soit au milieu. Là, il y a 4. Ouais, on a complètement disproportionné le truc, là. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Le couloir est au milieu. Donc là, hop. Regarde, on va faire comme ça. Accès au couloir. Par ici. Ouais. Hop, hop, hop. Ici, arrière, accès aux poubelles et tout ça. Ici, accès au, donc, au dentiste. À l'arracheur dedans. Non, ici, c'est là où il y a le sang. On l'a mis sur la gauche. Ouais, on l'a mis sur la gauche. Puis là, on sait pas ce que c'est. Ah ouais. Un gars qui donne des leçons de piano. Tu vois. Et après, tout le reste, eh ben, c'est accès au... Accès au... aux appartements. Alors éventuellement, est-ce qu'on utilise quand même de la pierre taillée? Ouais, pour faire chicos. Et puis là, s'il y a une porte, ça veut dire que quelque part on y a accès aussi, non? Ah, zut! Ou une fenêtre! Là, on aurait mieux. Hop, voilà. Web. Donc là, c'est le local poubelle. Non, il faut un ascenseur. Attends. Par contre, dans le local poubelle, faudra le couper parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans le local poubelle. Bah, ça dépend. Hein. C'est peut-être un local poubelle avec fenêtre. Hein. Ah ouais. Non, mais là, on va se faire un escalier. Ouais. Est-ce qu'on a de quoi faire un escalier là? Oui, parce que c'est l'escalier de secours. On va faire un gros ascenseur. Un peu comme on avait fait dans pour le Titanic. Donc deux trucs. Et ici derrière on se fait un escalier 2 sur 2. Et ça roule. Ok. Et donc à chaque là on aura des séparations précises. Ouais, bah tu découpes en appart, quoi. Comme ça, à peu près. Hein, Il doit bien y avoir des F5, des F5, des F4. Salut Rafsafil75. Merci pour le suivi. Là, on va faire des petits apparts. Hein. Le dentiste, lui, il faut une salle d'attente, hein. Ah oui, on va faire quelque chose de grand pour le dentiste. On mettra les portes après. Et puis là, ici, comme ça. Bonjour madame, installez-vous sur le divan, vous prendrez bien un relaxant.
Et là. J'enlève le son. C'est quand même un peu glauque, hein. Là, à ce moment-là, on peut faire des grands apparts ici, du coup. Avec les grandes fenêtres, là. Ouais. Et là, on peut faire des grands apparts. Oublie pas que t'as peut-être une porte, là, mais comme porte, on le sait là. Pas, tu peux la boucher, hein. Si elle t'embête, tu la bouches. On sait pas s'il y a une porte. Ouais. Ils nous ont pas montré de photo, alors on sait pas. Donc, est-ce qu'on garde le couloir central? Bah, pour accéder aux autres apparts, oui. Ouais, là, t'as fait des style studio. Ou c'est oui. Avec plusieurs pièces. Ouais, il y a plusieurs. Enfin, oui, il... après on peut mettre des portes. Hein. Donc il te faut un truc central, ouais. Ouais, et là par contre, si on a notre couloir central. Ah ouais, ça va faire au milieu de la fenêtre. Ah. Crotte non, de mais pique. Bouche la porte. Ouais, mais même là, si on garde notre couloir central, là, regarde Z. Ça fait ici. Et là, ça vient ici. Si on garde la même mesure. Ou on le décale, le couloir. Pas grave. Wop. Bon, moi, j'ai fait un système... Un petit hall. C'est moi où il y a un problème de diffusion, un espèce de décalage en bas de l'écran. C'est probablement, c'est pas quand j'ouvre le chat pour taper les commandes, ça te fait un trait noir et ça te fait, donne pas une impression. Parce que moi, mon écran de retour est ok. Décalage en bas de l'écran. La musique passe peut-être, les titres de musique passent peut-être bas, je sais pas. Si, on les voit. Ouais, on les voit. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Ah, c'est sur téléphone. Hein. Ah. Mais toi, Z, de ton côté, là, t'as le cabinet, tout ça, t'as la salle d'attente. Bah, après, là, on peut faire des bureaux. Bah, hein. Moi, j'ai fait 3 apparts. Mais des grands. Pop, pop, pop. Et puis là, le cabinet médical, il peut même avoir sa petite porte pour l'évacuation des... l'évacuation discrète... Ah bah si, ça me ferait ça. Des esquintés, quoi. Là, ça me ferait une... Ouais, bon, on laisse comme ça. Allez, hop, on va faire du stack. Ah, faut faire un stack 3 et pas 20, et ici pareil. C'est combien déjà la pierre de l'Inde? 206. Et quand tu fais un stack, t'as pas le marqué, hein. Non, stack, c'est la sélection qui est stackée. Hop. Échelle. T'as juste à sélectionner ton premier et deuxième bloc, c'est ça, hein, et après tu fais un stack 3. Ouais. U. Oula. Je crois que t'as loupé ton stack. Mais je suis où là? Bah, on est coincé entre deux dalles, entre deux blocs. Bah pourtant j'ai fait U. Pourquoi ça m'a fait ça? Ça me fait rire en plus, ça me fait rire toi. Ouais, ça me fait rire. Ta sélection elle est peut-être un petit peu... Alors attends, normalement tu sélectionnes ton premier bloc. Là. Si, d'accord. Ouais. Et après... Tu sélectionnes là ici. Tu sélectionnes pas en hauteur, tu sélectionnes en bas. Toujours en bas. Bah ça dépend, qu'est-ce que tu veux monter? Là mon mur, ici, de 3 en fait, je dois le monter.
Là, si je sélectionne ici. Donc t'as tapé ici là sur le bout. Donc oui, tu, ici. Tu vas sélectionner là-bas au bout, à la même hauteur. Paf. Ah, je sais pourquoi ça fait ça. Parce que j'ai sélectionné, mais j'ai sélectionné ce bloc-là du haut. Ah oui, donc ça ferait, après ça te fait des stacks bizarres, ouais. Alors attends, je sélectionne mon premier, mon deuxième ici. Oh, j'avais l'impression de me retrouver dans le plancher en fait. Alors, avec 3U. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Oula. Les nouvelles recettes, qu'est-ce que tu appelles les nouvelles recettes en créa, Albator? Là, on va être embêté. Ouais, parce que notre plancher est ici. Bon, mettons que ici, on continue à faire. Tac. Donc ici, paf. Ouais, donc là, ici, on peut pas. Donc là, on va continuer ici, mais ici, on sort pas, quoi. Parce que là, on va avoir notre mur qui va être ici. Donc, il faut faire l'accès autrement, là. C'est-à-dire, il faut pas commencer ici. La limite, vaut mieux commencer comme ça. Tac. Ici. Tac. Ici. Tac. Suivant les blocs que tu prends, ça t'affiche des nouvelles recettes. Dans le petit. Ce que t'appelles le petit cahier vert. Hop. Enfin, quoique là, on va avoir le même système. Oups. Plancher, il est en 58, c'est ça? Comment? Le plancher, il est en 58, tu l'as mis juste en dessous là. Ah oui, d'accord. Il est là en fait. Ouais, sachant qu'ici ça va être spécial parce que ça monte. Ouais, il est à cette hauteur là. Alors le nom des ites, c'est 5-6. En créa, non, il sert à. Enfin, moi je l'utilise. Donc 7, 1, 6. Hop. On l'a même pas en créa. De quoi donc? Le livre vert. Moi je le vois même pas. Non, faut que t'ailles dans. Non, on le voit pas. Non, on le voit pas. Même quand on choisit inventaire en mode survie, il apparaît pas. Donc en créa, je crois qu'on l'a, on l'a pas du tout, ouais. Non, faut prendre une table de craft. À ce moment-là, tu l'as, mais autrement, tu l'as pas en créa. Ah, avec une table de craft, tu l'as. Bah normalement oui, je me trompe pas. Je sais pas. Établi, on va regarder, tu vois. On utilise rarement la. Ah oui, on l'a. Bah ça permet d'avoir les trucs tout faits et. Ah par contre oui voilà, on peut pas les faire. Ouais donc oui donc ça sert vraiment à rien en créa. On est d'accord. Non. On est complètement d'accord. Non parce que tant que t'as pas les blocs, de toute façon tu pourras pas les faire, donc dans ton inventaire. Donc ça sert à rien quoi. Ouais. Là ce qu'on va faire c'est un petit au niveau muret. On a des murets de. Muret d'andésite. Ouais ça pourrait être rigolo ça non. De faire ça comme ça. Hop. Oh, ça fait un peu comme une mezzanine. Puisque de toute façon avec cette porte qui est hyper haute on peut rien faire hein. Alors hop, voilà. Donc ici, on est bien. On est bien, Tintin. Ça pique un peu, ça. Hop.
On est d'accord. Donc là, c'est l'ascenseur. Hop. Premier étage. Et on peut monter comme ça. Hein. Technique des deux échelles de chaque côté. Qui avait été trouvée par Akiza sur le Titanic. Oui. Alors. Donc pour l'escalier, on peut continuer ça comme ça. Hop. Alors, les appartes. Du coup, faut quand même qu'on fasse double porte pour entrer dans les appartes. Oui, mais alors par contre, ici, on va avoir. Porte en chaîne noire, hein. Il faut du luxe. Faut que ça pétoule le luxe. Hein. Là, dans la première partie, là, on avait dit que ça serait un prof de musique, c'est ça? Enfin, ouais, je sais plus quoi. Ouais, j'avais dit ça. Ouais. Et donc là, on aura un appart. Donc ici, on aura une porte. Je frappe au numéro 1. Je te demande, mademoiselle Angèle. La concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Hop. Pour le dentiste, il faut pas du chêne, hein. Il faut un truc lavable, hein. On est d'accord. Voilà. Oui, là on va faire du petit studio de chaque côté. On va rajouter un peu de redstone, quoi, histoire de se faire plus réaliste. Là on fera des grands, là, on fera des grands apparts. Hop. J'espère que je suis pas suivi par des dentistes parce que du coup. Je vais peut-être perdre des gens qui trouvaient que je faisais un boulot agréable, enfin un travail formidable, mais ils disaient oh bah non, c'est pas possible, hein. Ils n'aiment pas les dentistes. Mais si, on les aime, les dentistes. Oui. Quand ils font pas de mal. Bon, maintenant ils en ont quand même plus. Ils utilisent quand même un peu plus l'anesthésion que. À mon époque. Oui, d'où, c'est plus agréable maintenant qu'avant, quoi. Pff, vache. J'ai quand même. Ouais, j'ai aussi des mauvais souvenirs. Hein. Ouais. Toc toc. Bon. Ah, le couloir, tu l'avais mis. Ah non, 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 juste là, d'accord. Ok. Puis là, donc on a dit qu'on aurait des petits studios. Albator dit, fais un clic droit sur le redstone pour changer l'aspect. Clic droit. Hein bon. Ça fait rien du tout, ça. Clic droit. Sur le redstone. Bon. Clic gauche. Ah ouais, clic gauche, ça change l'aspect. Non, clic droit. Non, non, ça change pas d'aspect. Hop. Mais non, on n'est pas un princesse, non. Parce que ça change l'aspect en un princesse. Jamais fait attention. Ouais, tiens. Hop. Ah, il faudrait que je regarde, tiens. Ouais. Oup, on t'a vu disparaître. Tu le fais trois couloirs ici. Bah, ce qu'il y a, c'est que ça allait pas avec la fenêtre qui était là, Z, autrement. Ça, j'étais obligé de faire un décalage. Parce que ça tombait pile poil. C'est dommage, toute cette place perdue. Ouais. Tu sais, si ça va pas. Ah. Sinon, tu vois, ça tombe vraiment sur ma fenêtre, quoi. Mm-mm. Tu sais, elle est pas centrée, hein. Il y a 4 d'un côté, ouais. 3 de l'autre.
Il suffit que le 4 soit ici et tac. Pouf. Et donc ça ici. Ferait comme ça, oui, ça ferait un couloir de. Comme ça ton couloir il sera pile poil. Il sera pile poil. Hop. Ouais, ça se retombera là quoi. Attends, tu fais un move. Ouais. C'est vrai que. Hop. Hop. Ouh. J'ai été poussé. C'est 206 hein. Oui. Hop, juste refaire la porte. Tu la mets n'importe où la porte, on s'en moque. C'est des portes de deux au grand. Oh oui, c'est grand appart, grande porte. Hein. C'est du luxe. Hein. Bon là, on va mettre une plaque. Sinon, donc là on a dit appart, appart, là appart, appart, là, musicien ou je sais pas quoi, là on contrôle a dit. C, dentiste. Et là on a dit petit studio. On fait la déco des apparts ou pas? Là il est quelle heure? Ah, il est 21. 17h20, on va pas avoir le temps. Non, on va monter ça un peu rapidos maintenant. On fait les mêmes apparts partout, la même taille. Oui. Ah oui, comme ça on sera pas embêté hein. Et donc là le palier tombe ici. On va faire un fil. Fil 5, 12. Youp. Il y a une porte là. Ouais. Ah, j'ai loupé. 1, 2, 3, 4. Ici c'est. Zut. C'est du 1-6. Hop, vache, je vais y arriver. Ah, il va falloir mettre de la lumière. Donc on met de la lumière entre le rez-de-chaussée et le premier. Hop. Donc, quoi qu'on a du plafond, hein. On peut. C'est-à-dire chaque chaque truc peut gérer sa lumière. Ah brin. Tiens, ici on peut lume. Hop. Oh. Oula. Décidément. Alors on peut mettre comment ça s'appelle le truc de land? Barre de land. Les barres de land. Pour le couloir. Hop. Ça fait un peu truc pour faire du sport, mais. Lumière. Arthur. Lumière. Si j'en ai mis. Ah, chez le dentiste, il n'y a pas de lumière. Ah, chez le dentiste, faut mettre la. Ah, éclairage de la mer.
aquatique. Lanterne aquatique. Ouais, c'est moderne. Dans les apparts, on peut peut-être faire des petits lampadaires. Ouais. Parce que c'est quand même assez haut le plafond. Ouais. Sardin, quoi. Après, la déco. Un salut à tous ceux qui arrivent. Cox la cocotte, Chris GLT76 et XR Dollar. Salut Vardax. Bienvenue à vous. Il nous reste 35 minutes pour terminer le bâtiment. Si on continue de décorer, on n'y arrivera pas. Bon, les petits, une seule porte. Sauf que là, ouais, donc là j'ai ce problème ici, mais là ici on a plus la sortie, donc on peut récupérer tout cet espace là pour la part du dessus. Voilà, grand appart, cool. Un petit hop, on se fait un stack jusqu'en haut. Oui, y a combien? 12 portes. C'est stack 14. Hop. Ah. Ah oui, j'ai oublié les portes. Ah zut. Alors. Ouais, moi aussi j'ai oublié. Mais bon. Ouais, c'est ballot ça. Il y en a un autre ici, non? Non, mais j'ai même pas fini mon plancher là. Non, je crois que j'ai peut-être fait une bêtise. Ah. Voyons, les échelles restent. Ça, c'est cool. Alors, salut Daniel. Je cheat, dit Flo Flo. Bah non. Salut Rising. Là on avait mis. Ah bah non, j'ai déjà mis une porte ici. Donc c'est du... on est en créatif, hein. Parce que vu l'ampleur du projet, on reconstitue toute une ville. Si on peut le faire en survie, hein. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même projet. Allez. On va prendre ça. Oh, voire même tout ça. Tiens. Allez. Stack 14 U. Et ici, on fait pareil. Hop. Ah, j'en ai fait un, moi. Ah bah tant pis, je mettrai après. Tac. Enfin, alors, il faut tout boucher, sinon, quand on va faire le fil, ça va faire des trucs bizarroïdes. Il faut fermer toutes les fenêtres, toutes les portes. Donc là, c'est bon.
Lumière grande plus 6. Là c'est bon. Ah ici ici à un moment donné on va fermer. Ici c'est bon. Là-bas c'est fermé. Donc, je me mets là, j'enlève ces trucs là et je fais un stack, je fais un fil 1-6. On va mettre 32. Schlack. Ouais. Presque. Nickel chrome. Moi qui croyais que tu refaisais Amiens en survie dans Holycube. Ça prendrait pas longtemps. Oh oui, oui, c'est une affaire de un ou deux mois. Pouf. Oh bah j'ai pas monté ça. Ah j'ai pas. Oui j'ai pas monté ça non plus. Stack 14 U. Hop. Allez, fil 5-12. Hop. Ah, j'ai pas le bon. Salut Starflow, Sfarlo. Oui, alors j'ai encore mes portes à mettre. Ah, mais j'ai pas monté ça non plus. Hop. Là, ça n'a pas été fait. Alors, on est à ce niveau-là. Là, après, ici, on va peut-être caser un appart. Hein. Y a pas de raison. On est en combien là? Pop 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 stack 5. Hop. Oh peut-être décentrer comme ça. Voilà. Je pense qu'il y a moyen. Non, ça va pas jouer là-bas. Faut se méfier hein, parce que le fil il s'introduit partout et il met un peu le bazar. Hop. Ok, il y en aura d'autres qui vont pas être tip top au niveau fenêtre, au niveau porte. Il n'y a pas de fenêtre. Où ça? Ceci? Ah non, il n'y a pas de fenêtre, ouais. Bon bah ça sera le bâtiment du concierge. Voilà. Le pauvre. Le pauvre. Donc là, j'ai ah ouais c'est vrai qu'il va pas y avoir de... Comment ça se fait? C'est où? Ah ouais là y'a rien. Ouais mais bon Et on peut pas rajouter une fenêtre? Bah sinon on refait le coup de la mezzanine quoi. Et au dernier étage t'as refait un... Au dernier étage. Mais j'ai même pas fini ici. Oh non mais non, sans mentir quoi. Non non, j'ai arrêté de faire des bêtises. J'ai arrêté les bêtises. Hein. Alors attends, dalle de grès. Non, dalle de pierre taillée de Hollande. Hop. Ouais, une jolie petite archounette. C'est mignon. Voilà. Mignon. C'est mignon, ouais.
Et après, t'as refait un palier. Ah oui, t'en as refait ici. Ouais. Moi, j'ai cassé. Alors, mais bah, j'ai rebousé par un U. Hop. Du coup, t'as refait un palier. Entre les deux. T'as refait un palier ici. Je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ah oui, là, l'escalier. Il a une drôle de tronche, l'escalier. Après, tu vois, ma cathédrale, Minecraft, moi je l'ai fait à l'envers le truc. Je l'ai fait en sur. Oups. Je l'ai fait en survie. Et après, je l'ai repris en créa. C'est plus facile. Les portes, sont... C'est pas grave si mes portes elles sont pas au même endroit, Z. Non. Entre le. Ouais, des paliers. Pas grave, hein. Des apparts. Oui. Enfin, je sais pas, on va demander au chat si s'il faut prendre des sanctions. Oh bah, sinon faut que je redécale tout, ouais. non, c'est pas grave. Donc, alors, on va remplir. Oula, il y a des petits problèmes de remplissage. Bon, on va finir la main. Ça, c'est le coup du quand c'est trop grand. Non, c'est de mon côté, donc je pense. Là, alors, on se met. Il faut le mieux pour faire le fil, c'est de se mettre au milieu. Et fil, hop, pouf. Ah ouais, c'est en prenant 12. 12, c'est peut-être un peu juste. Donc là, c'est bon. Mais moi, le fil, ça me fait peur. Le fil, ouais. Ouais. Ah, je commence à bien le ouais, maîtriser. Ouais, parce que des fois, on dépasse et. Ah, c'est ah pour ouais, ça qu'il faut prendre des petits rayons. Faire attention, oui. C'est pour ça qu'il faut prendre des petits rayons et du coup, bah, tu fais pas de gros dégâts. Mais après, du coup, des fois, ouais, il faut. Oui, parce que dès qu'il y a un petit trou. Alors, ce qui m'embête, moi, dans le fil, c'est qu'on est obligé de se positionner avec les pieds en dessous. Ce qui fait qu'une fois qu'on a fini le fil, hop, on remonte et on a un bloc à enlever, quoi. Ici c'est bon. Je vais te donner un coup de main. Pareil. Ah bah tout par est fait contre, là. Les portes sont. Ouais. Moi j'ai pas mis les portes de mon côté. Ah. Ouais, j'ai... Ouais, tant pis. Là c'est bon. Et il y a l'astuce de venir le faire comme ça ici. Mais là il faut mettre au moins 36. Comme ça il fait les deux en même temps. Pouf pouf. Faut juste ici venir réparer ça. Alors on va faire les... On va faire... Là il en manque un. Hop. C'est pas fini là. Là c'est bon. Là pour finir aussi. Évidemment si je prends pas le bon bloc ça va pas le faire. Hop. Ouais, je pense que c'est bon là. Ça fait des portes et des apparts. C'est peut-être un peu haut là. Au niveau du palier. Ouais. Au niveau d'en haut là. On va voir quand on aura fait le toit. Alors attends, le toit. Et ben, il y a un petit ressaut là avec le donc, escalier à l'envers.
Et puis on démarre le toit, je pense juste derrière, ça, il doit y avoir un système de chaîneau hein, comme on fait d'habitude. Et c'est un toit 45 degrés. Pop pop. En ardoise. Et donc t'as dit qu'on avait du place sur en ardoise. Et t'as dit qu'il y avait du place sur dessus, c'est ça? Ouais, du plat. Et puis le dessus, ouais, il n'y a pas de fêtière, c'est du plat. Je pense que derrière, il doit y avoir ça aussi. Hein. Ça serait étonnant qu'il n'y ait pas un système comme ça. D'un côté, là. Hop. Donc, les heures. Hop, on part avec ces escaliers là. Donc. Je crois que c'était en brique, moi. Le truc du dessus. Ouais, je pensais que tu faisais en brique. C'est pour ça que j'avais pris des escaliers de brique. Ah, sur les côtés. Je sais pas comment ouais. Il est sur les côtés. Aller se mettre de l'autre côté là, pop. Hop. Non, il est avec couleur, je pense. Non, il est en pierre. D'ailleurs, le bandeau sous les fenêtres est en pierre. C'est-à-dire tout ça ici, c'est du 206. Enfin, c'est lisse. Donc, ça serait du smooth. 7 double du smooth pof. Voilà. C'est du smooth. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. La, 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 la. Bon, on va faire un rang puis on va mettre des fenêtres. Ouais, donc ça veut dire que je pense que tous les planchers va falloir les descendre de 1. Hop. Ah, zut. Undo vite. Undo avant qu'elle voie que j'ai fait une bêtise. Parce qu'elle va dire oh, Z, t'as fait une bêtise. Oh, Z, t'as fait une bêtise. Et en dessous, c'est bon parce que là, on a du 3. C'est largement bon. Ouais. Ils vont pas. Hein. Ils vont pas non plus. Eh, je vais repasser. Oups. Et puis, on a des. Je crois qu'on a 3 cheminées, si je me trompe pas. Ouais. Mais bon, ça sera des fausses. Hein. Allez. Ouais, j'ai fait tout le tour. Ah oui, on a trois cheminées. Non, on a que deux. On a que deux cheminées. Ils sont à peu près. Oui, elles sont à peu près. Oups. Elles sont entre les premières et deuxièmes fenêtres. Ouais. De chaque côté de la porte. Alors pour les chiens assis, à chaque fois qu'on a une fenêtre. On a un chien assis. On a un chien assis sur l'avant. Sur l'arrière, pareil, mais il y en a plus. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oups. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On en a au-dessus en fait sur le derrière, c'est ça. On a... Ouais, il y a deux rangs en fait. Après, il y a un rang quinconce. Donc, on va essayer de se faire ça. Ouais, ça va être rigolo. Alors, la largeur des fenêtres, je serais enclin à dire que c'est la même que celle qui est en dessous. Hein. Plop, plop. Mais. Ouais. Et au niveau hauteur, c'est le même calibre. Donc, ça serait des 2 sur 2. Par contre, on va prendre des blocs. Parce que comme il y a deux d'écart, ouais, ça va pas être évident. Hop. Parce que si on les met donc ici, tac 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 tac, comme après on part, si on peut rien mettre sur le côté,
2. Ouais. Donc derrière, ça veut dire qu'il n'y a rien. Alors attends. Et là on revient comme ça et comme ça. Oula, ça va être un peu chaud. Ouais. Ah, le problème, ça va être ici. Ce petit carré. Alors, si on... côté, est-ce qu'on en a ou pas? Si on avait 3, on pourrait régler le problème en faisant un truc comme ça. Le problème en mettant ici. Non, on n'a rien. Ça aurait été bien que ça soit écarté de 3. Mais. Un quart d'heure, c'est faisable, mais je pense qu'on va dépasser un petit peu. Alors, sinon l'autre solution, c'est d'utiliser des blocs. Hein. Ça se voit. Non, ça va même pas se voir en fait. Un peu brut de fonderie, mais ça passe quoi. Du coup, t'as mis bloc ici en fait, en gros. Ouais, c'est ça. Je mets des blocs derrière. Comme ça là. Et là, je viens comme ça. Tac. Hop. Alors ici, on est en. On avait un bloc ici, on est peut-être décalé ici. Hein. Le bloc du milieu était là, donc l'autre aurait dû être là. Donc ici, alors on peut peut-être sentir ici, quand c'est un bord comme ça, on peut faire les choses un peu proprement. Voilà, comme ça. Et donc ici, il faudra avoir un bloc, voilà, comme ça. Dès qu'on a plus d'un espace, en fait plus de 2, on peut travailler correctement. Sinon... on est coincé. Alors c'est pas qu'on peut pas travailler correctement, c'est qu'on est obligé de s'adapter à Minecraft, qui n'est pas très très sympathique avec les buildés qui veulent travailler à l'échelle 1. Et encore, on a quand même de la chance, hein, puisque il n'y avait pas de décalage. Oui. Hop. C'est tout droit. Ouais, c'est tout droit. Là. Donc là, par exemple, pourquoi on a un espace comme ça? Ah oui, il y en a un au milieu. Oui. Il y en a une au milieu, mais comme on est sur du... Bah oui, comment... Elle devrait faire 2, comme les autres. Pardon. Comme si une grande fenêtre en dessous, hein. Ça va pas faire moche. Parce que de deux, ça va pas être centré, ça va pas. Ça... Après ça va nous la faire de 3.
Bon bah ça fait pas si ça fait pas moche. C'est pas moche. Du coup comme on a 3 ici. Ici on va pouvoir mettre des trucs comme ça. Mais exceptionnellement parce qu'on a 3 d'écart. Vous avez compris le principe du truc. Non, ici, tac, tac. Et après ça repart sur du... Pourquoi j'y arrive pas? Des fois c'est pas évident, hein. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas du tout poser les toits. Alors, ici... C'est long à faire les toits. Ouais. Surtout quand c'est comme ça. Quand c'est biscornu. Quand c'est biscornu c'est comme ça, quoi. Ah zut. Tac. Voilà. Ici. Après, dès qu'on aura passé ça, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. On va passer des commandes. Ça va le faire, mais tout ça, faut le faire à la mano. C'est du coup beaucoup plus web. Et là, je pense que web. Ah, j'ai hésité entre un escalier ou un bloc plein. Non, non, escalier là ici. Par contre, il faudra regarder sur les côtés s'il y en a. T'as pas regardé sur les côtés s'il y en avait. Ah, t'as de la chance. Ah, la chance. Yeah, y'en a pas, j'ai regardé. Ah, t'as regardé? Oui, je t'ai dit qu'il n'y en avait pas sur le côté. Ah, cool. Bon, ben. Donc là, on va pas s'embêter, hein. On va faire un stack. Je t'ai dit que j'ai regardé quand même. Combien? T'as vu, je fais bien mon boulot quand même. Ouais, c'est bien. Stack 8 ou plus. Stack 12. Donc l'arrière, on le fera après. Hein. On va déjà monter parce qu'après c'est plus simple du coup. Donc de l'autre côté on dit que c'est la même. Stack 12, tac. Donc après. Oups. Tu me pousses hein? Poussé, c'est vrai. J'ai bougé. Oh mince. Désolé. Du coup, j'ai loupé mon coup. Alors, tac, tac, stack au moins 32. Bion. Vive World Edit. Hein. Il nous reste 7 minutes. Hop. Donc stack 11. Pof. Ah non, 12. Pof. Ah, mais si t'en mets un sur le côté là, c'est moi qui l'ai mis ce truc là. Oui. Faut mettre de l'autre côté aussi. Oui, je t'ai laissé faire les petits côtés. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Sinon, ça va être lourd. Bah, ce qu'il aurait fallu, c'est des dalles verticales, quoi. Ah ouais, mais c'est un Mojang. Salut Marie-Antoinette. Albator, t'as des moustiques? Ah, chez moi, oh, si, il a fait chaud aujourd'hui. Oh, j'ai la chance, moi j'en ai pas de moustique. Enfin, je croise les doigts, mais. Moi j'ai pas de moustique, mais j'ai les piqûres. Je crois que je suis. Je crois que je me fais avoir là. Stack 12. Pouf. Allez, encore un. Encore un cran. Encore un cran. Je regarde comment il fait le derrière. Je pense qu'il va faire. Ou alors faire pareil, sauf que. Il faut qu'on se fasse. Ah oui, après il y en a un surplus sur le milieu quoi en gros.
Ouais, ça devient pareil, quoi. Okay. Est-ce que du coup je descends tout, hop hop, on valide le fait qu'il fallait que je descende tout d'un cran là, hop, hop. Oui. Move 1 vers le bord. Ici je l'avais pas fait, c'était nickel chrome. Donc pouf. Fil 5. Ah non, pas. Bon, undo. Donc faut le faire. Le cran en dessous. Tac. C'est 2. Ça va compter en 2. 1, 2. Ok. Donc là, bah, on peut en mettre un peu, puisque. Hop. Par contre, ça tombe pas pile poil au niveau des fenêtres derrière. Sous les fenêtres. Ah oui. C'est étrange. Ouais. Si on fait pareil que devant, si on décale de. Si je prends deux, ça tombe pas pile poil. Ouais, ah bah non, c'est vraiment décalé. Ah bah oui. On a un problème. Zen. Pourquoi? Hello Houston. On a un problème. Alors, bah, faut les faire de 1. Ouais, mais on aura là, au lieu d'avoir 2, si on fait de 1, ça fait 6. On va avoir tout ça de décalage. Hein. Ah, pas grave. Il y en a 3 sur. Par rapport ici, à celle de devant. Ah non, mais on s'en moque ça. On s'en moque? Ouais, ouais. De toute façon, c'est des apparts séparés. Non, à chaque fenêtre correspond un chien assis, juste au-dessus. Okay. Ouais. Et là, il y a un deuxième niveau au-dessus. Schrödinger avait des moustiques aussi. Non, mais ça doit être des tout petits parce que ça fait des tout. Je pense que moi, c'est des tout petits parce que ça fait des. Ça fait des tout petits boutons. C'est des micro-moustiques. Tu sais, il y a les trucs, les frelons asiatiques, les guêpes asiatiques, les machins asiatiques, c'est tout des gros trucs. Là, ça doit pas être asiatique, ça doit être scandinave, ou c'est des moustiques scandinaves. Ils sont tout petits. Hop. Bon, on va se lever tout ça, du coup, sauf ici, hop hop. Là, sur les petites, on met ça. Ouais, ou une dalle. Parce que on va être assez loin là. C'est-à-dire que là, il faut faire le même principe, aller chercher ça comme ça. Ici, bloc. Donc là, comme derrière, on va être à ce niveau ici. Ouais, on rejoint par une dalle comme ça. Mon bloc, alors attends, parce que j'ai plus mes blocs. Pouf. La nuit, les moustiques soulèvent ta couette pour te piquer. Voilà. Ils sont terribles. Ouais, ils sont vicieux. En plus c'est des moustiques intelligents. C'est les pires, ceux-là. Peut-être des moustiques picards. Et là, ça tombe bien parce que pour l'instant, on est toujours sous des fenêtres. Je me suis pas trompé. Hop, stack 3. Que j'ai été faire. Si c'est bien des blocs là. Les moustiques. Bien d'accord. Hein. Les moustiques tigres, ça serait une vengeance de Madame Tigre. Ah ouais, oui c'est ça. Il faut pas que t'en mettes un derrière quoi. Hop.
Et là, ça revient comme ça. C'est-à-dire qu'ici, tu mets comme ça. Et donc, il faut que tu l'appliques comme ça. Poc. Et la dalle. T'as le dalle. Ici, par contre, tu. Tape, tape, tape. Tape sur les moustiques. Oui, il faut le mettre comme ça en fait, l'escalier. Non. Ah. Et après, on a comme ça. Bah non. Ah, j'ai ma dalle. Allô? Alors, ici c'était tout bon, donc on va faire nos portes. Tac tac. Ouais, là. Tac. C'est tout droit. Ah là, il manque quelque chose. Là c'est grand, donc on met Comme double porte. ça. Hein. Comme Ici ça. ça va être super grand aussi. Allez, double porte. Ici c'est petit. C'est le petit logement de pour un célibataire. Hop, un logement pour célibataire. Pop, hop. Après, je pourrais presque passer par ici. Ah, là, c'est du, c'est grand, donc double porte. Sais pas si c'est bon, donc du coup je continue pas parce que je sais pas si j'ai fait une erreur ou pas. Ici, t'es pas obligé de mettre des blocs en fait. C'est plus simple et plus beau de mettre. Mais il faut mettre le premier ici pour t'appuyer dessus, pour qu'il tombe correctement. Et après, ça va bien. Hop, voilà, comme ça. Et normalement, on devrait être bon de l'autre côté là. Tap, tap, tap. Donc celui-là, il faut le mettre comme ça. Voilà, pas comme ça, on peut l'enlever celui-là et ici celui-là, voilà. Je pense que là-haut on devrait avoir quelque chose de correct. Les portes sont bien les unes en face des autres, Z nous dit Marie-Antoinette. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est pas bien, faut pas. Chez moi, j'avais à une époque quand j'étais en appart, ma porte elle donnait chez le voisin. C'était pratique quand tu sors, bon bah tu peux regarder. Oh vache, ouais, ils sont bien équipés et tout. Hop. Après, c'est tout droit. Après tu peux raconter des ragots. Hein? Ouais. Alors, ici, je me suis trompé. Donc, t'as dit comme ça. Voilà. Là, comme ça. Ok, d'accord. Donc, là, c'est pareil. Ici, on va filer le, non pas le parfait amour, mais file 1, 6 sur 12. Hop. Et paf. Et paf. Voilà. Et si on a terminé ici, on coupe. Ah non, ça va pas marcher. Ah non, il y a encore un étage ici. Ouais, mais il va peut-être falloir se décaler, par contre. Bon, on verra après. Oui, parce qu'après, ici, on a un second étage ici. En train de refaire tous mes blocs là que Hop. j'ai fait pas fait comme il faut et Salut. là ici tu fais Salut de Chinole. l'autre côté si je ne me trompe pas. Ah Ah non, ici je mettais des blocs au milieu. Parce que sinon t'as des trous. merde. Sauf pour le triple. Pour le triple, tu peux mettre. Et donc ici on est obligé de mettre des blocs. C'est ce que je viens de faire en fait, donc voilà. Bon, bah. Ça du boulot à refaire. Tout le reste est bon.
C'est bon? Ouais. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus qu'à monter un cran de plus. Ah bah monter, non, c'est pas la peine parce qu'il faut faire un grand stack. Tac, tac. Un stack de combien? Une petite vingtaine? Oui, au moins. Ah, quoi que t'aurais... Ah, quoi que... Si, si, c'est bon. C'est bon, hop. Ouais, ouais. Donc là, après, il faut voir à quel niveau on met le deuxième étage. Hop. Alors, techniquement, on avait dit, est-ce qu'on va réussir à le faire en un live? On en est pas loin quand même. Hein. On va grappiller un petit peu sur l'horaire prévu. Hop. C'est pour la bonne cause. Parce que si on fait du 3 de haut. Ça veut dire on met le plancher ici. Si on fait ça. 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 Ça veut dire qu'on remet une et... C'est vrai, il y a les trucs bidules là. Ouais, ça le fait, il y a de la place derrière. Hein. Et on est encore assez loin de la fêtière, je pense. On va essayer de regarder un petit peu jusqu'où on monte là pour voir un peu à combien on s'avance. Je vais le faire de l'autre côté, pile là. Hop. Tac. 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 Alors, ça s'écarte de combien là? Hop. Hop. Eh ben écoute, moi je terminerai bien le truc comme ça. Oui, comme c'est droit de toute façon. Ouais. Et ici, bah ouais, c'est bien. Pour une petite chambrette, ça le fait. Ouais, ouais. Bah on fait comme ça. Donc là, on fait un grand stack 20. Non, 22. Ouais. Et nickel chrome. Et ici, bon, on va le faire à la main parce qu'on n'est pas loin. Donc là, on aurait les fenêtres ici. Donc, à chaque fois qu'il y a une fenêtre en dessous, donc on remet 8 fenêtres. C'est qu'au milieu, hein, c'est ça? Ouais, que au milieu, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est là, ça, encore, voilà. Encore une là, et puis et encore une et c'est bon. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bon. Ok. Ah, on est en bois ici. Ouais, pourquoi pas, remarque. Hein. Par contre, l'ascenseur, ouais, il est là. Hop, ok. Mais là, tu fais tout en escalier, tu remets pas de bloc plein, Z. Si, toujours pareil. Quand il y a deux d'écart, là, à ce niveau-là, il faut mettre un bloc plein. Par contre, là, quand il y en a trois, ouais, ici, on peut le faire en bloc plein, en escalier. Ok. Alors le premier rang, c'est toujours des blocs. Ça va pas marcher celui-là. Hop. Grenier, c'est pour la chambre de bonne. Ouais. Ça existe plus hein, maintenant. Marie-Antoinette. Ça existe plus. Les bonnes. Enfin, les chambres de bonne. Quoi qu'il y a, je pense que dans le... Chez les gens blindés de thunes. Oui, ils ont ce qu'on appelle. Ils ont toujours des serviteurs, mais qui habite à la maison, qui habite sur place, quand même un peu moins quoi. J'aurais pu stacker là. On est d'accord.
puis j'aurais même pu le faire sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que tout ça là, tac, tac, ah oui, mais au niveau du replay mode, si un de ces quatre on fait un replay mode, on va plus rien voir. Tout est couvert là. Ce que je ferais bien, c'est ah zut. File avec 5. Pouf. Ouais, c'est pas qu'elles étaient en plus à la mode, c'est qu'elles étaient, c'était super cher. On était quand même à la limite de l'escroquerie, quoi. Pour des studios entre guillemets de 11 mètres carrés sans salle de bain, salle de bain commune sur le palier, et les gars ils payaient des loyers de F5 en province centre-ville. Paf. Je me suis trompé. Sur les côtés, on met des blocs pleins aussi, ou on continue en escalier Z, comme on avait fait de l'autre côté. Ah non, dès qu'on est plus... Non, après... Là, donc là, non, je me suis trompé, moi, ouais. C'est des escaliers. Là, dès que tu repars en escalier, avec un en travers, tac, tac. Ah ouais, dès que t'as plus... Les blocs pleins, c'est uniquement entre les fenêtres quand il y a de... Quand il y a deux trucs. Alors, il va falloir y monter à ce truc-là. Maintenant, ce sont des chambres de youtubeurs et de streamers. Alors, je crois qu'il y a toujours des arnaques pas possibles sur Paris, non? Après, c'est Paris, hein. Ah, c'est Paris. L'escalier, je sais pas où on va le faire passer par contre. Hein. Ce qui serait bien, c'est qu'il sorte là. Le problème, c'est que là en dessous. Mais on verra ça hors live. Hein, parce que là, on va bien dépasser si on s'occupe de ça. On va pas forcément aménager tout, mais on va essayer qu'on puisse se balader partout dans le truc. Donc, ça veut dire que là. Ici, je ne peux plus monter par l'escalier. Donc, au passage, il faut quand même que je le bloque pour pas que les gens tombent. Muret dans des hits. Hop. Donc, on monte ici. Plip, plip, plip. On arrive là. Pareil avec l'ascenseur. Et là, il faudrait trouver un moyen de monter... ici, donc il faudrait que l'escalier soit en plein milieu, quoi. Oh vache, mais on a l'escalier, on a le couloir. Ça va être chaud. Comment on peut faire? On va falloir trouver un système. Lui ici, c'est le fond du l'ascenseur. L'ascenseur, on va quand même pas le faire monter à l'étage des bonnes. Bon, après, par l'escalier, hein. Et redescendre ou monter par les escaliers. L'arrêter avant l'ascenseur. Ouais. Non, mais il faudrait. Surtout que là, en fait, c'est. Ici, ce qu'il va y avoir, c'est le moteur. Tout ce qui est moteur et compagnie. Et là, t'as mis tes blocs. Okay. Ah, ouais, ça par contre. Sur le côté du toit, Z, je repars, je suis mes escaliers. On est bien d'accord? C'est-à-dire que là, je repars à la normale, quoi. Je fais comme ça et puis ouais, là ouais. Et comme ça. Une corde à nœud, dit Marcraft. Salut AGC Falcon. Merci pour le suivi. Salut Johan Rereux.
Hop, tu viens de rentrer de cours et t'as la tête bien pleine. Ouais, c'est le principe, hein. De remplir la tête. Nous, on fait pas. Enfin, moi, personnellement, c'est pas le truc le plus marrant que je trouve à faire, c'est les. Surtout quand c'est un peu tordu comme ça. Mais bon, faut bien les faire. Alors, par contre, ouais, à un moment donné, ouais, on va coincer là. Et on va pas être au même niveau que l'autre. Ah, ils vont être plus bas alors qu'ils sont censés être au même niveau. Les autres sont à un niveau un chouille au-dessus, quoi. Et là, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ça va pas se voir. Hein. En soi, c'est pas grave, mais. Normalement, la petite fêtière qu'il y a ici devait être au niveau ici. Bon, on a 1 mètre de décalage. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Avec toutes les approximations qu'on est obligé de faire dans Minecraft, moi, je dis chapeau. On est quand même drôlement balèze, hein, Lynn. Ouais. Ah oui, par contre, là, ça va être caca, là, à faire. Non, non, ça passe. Ça fait comment? Comme ça. Et ici, comme ça. Et là, comme ça? Tout simplement? Ouais, tout simplement. Hop. Ok. Voilà, ça roule. On a 2 cheminées à placer. Oui, elles sont plus, on avait dit, plus vers... Entre la première et la deuxième fenêtre, oui, paf, première et la deuxième. Ouais. Et t'as vu le dessus du toit, il est il fait un peu gris. Ouais, il est peut-être zingué. Ce qui veut dire que est-ce qu'on mettrait pas des petites dallounettes? Ouais. Du coup là ici, mais bon, on va faire fausse cheminée, hein, parce que on met en roche lisse, hein. Ouais. Oups. Faire pareil pour les cheminées d'ailleurs, hein. Pour le haut de la cheminée comme ça, ou alors on met des pots comme d'habitude. Oui, des potes, des petits popos. Les petits popos. Ah, t'aurais pu faire une commande en plus en utilisant le crochet dièse pour le mettre en position haute. Type égal top. Ah ouais, c'est... Crochet dièse. Après, ça va peut-être faire bizarre. Ouais, c'est-à-dire que si tu veux changer les dalles maintenant, tu fais ça. Ouais. Ça. Donc tu fais un set. Alors c'est du smooth. Smooth stone slab. Et là, tu mets un crochet et ta type. Donc tu fais tabulation. Et ah zut, bon, évidemment je me suis trompé. Donc type tabulation, et là t'as bottom, double ou top. Donc double, bon bah ça fait un bloc complet. Bottom, c'est la dalle en position basse, et top, c'est la dalle en position haute. Par exemple, si je mets bottom, donc je ferme le crochet, pouf, voilà, ça arrive comme ça. Ça me la met en bas. Ça te la met en bas. Alors que si tu le mets en type top, oh, tip top, pouf, c'est en haut. C'était, tu sais, avant l'astuce où il fallait rajouter plus 4. Ah, oh, oui. Ouais. Bon, donc, alors je note tout ça encore. Bah ça, c'est tout avec tous les nouveaux blocs. Alors,
C'est ici, 1, 2, donc là ça va être là. Waouh! Pas mal, hein, franchement, je souhaite. À toi. Et si. Bon ben voilà. Bon, il nous reste quelques babioles à faire. Je pense qu'on va décorer quelques apparts au rez-de-chaussée. Surtout mettre les lumières. On va faire le dentiste. Hein, si tu le sens, oh, le dentiste. Oui. Oh ouais, c'est rigolo. Puis décorer quelques apparts ici. Fermer les... Je mets des lumières en attendant parce qu'il y a des bébêtes. Il y a de la chauve-souris. Mais sinon, on n'ira pas plus loin. Bon, là, on remettra peut-être du... Hop. Donc, notre bâtiment est officiellement terminé. La caserne Stengel. L'ancienne caserne Stengel. Derrière la maison de la culture. Donc, et bah, du coup, on va se relancer une nouvelle collecte de propositions. Dès qu'on en a 5, on organisera un vote. Hein. Hop, on va mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'il affiche le truc Alors, attends, où se trouve. Il y a un panneau bien spécifique juste devant. Ah, c'est 12. 12 le Stengel. Juste 12. Hop. Donc 12 le Stengel en capitale. Non, ouais, en capitale. Non, sans S. Touk, voilà. Bâtiment fini dans le délai, tout est scripté. On refait les noms, c'est un scandale. Et ouais. Oula, il a un peu sombré l'ascenseur. Ouais, il va falloir. Ouais, bah, c'est pour ça que je mets quelques lumières parce que là, c'est horrible. Mais les néons, c'est moderne. Ouais, c'est ce que je fais. Hop. Bon, on a un petit peu dépassé sur l'horaire. Ouais. Mais c'était pour la bonne cause. Ah, pareil là. Tac. Ah, mais on va prendre aussi. Là, hop, comme hop. Ça. Hop, voilà. Puis les portes. Remettre des portes et tout ça. Mine de rien, il y a encore un petit peu de boulot, quoi, mais... Oh, mais après, on a juste la petite déco du dentiste. Pas grand-chose à faire, après, là. Ouais. Quelques apparts, éventuellement. En fait, c'est surtout mettre des lits quand on veut dormir, vu que en visiteur, ah, bah, on oui. est en mode... Il y a la puis nuit. Mettre pour manger, aussi. Ah, ouais, des petites cuisines. Ouais, si on se fait des cuisines, on peut trouver à manger, ouais. Hop, voilà. Salut Amérillon. Le 1 dans le titre ne servira donc pas. Pour le prochain bâtiment, il faut quelque chose de tordu. Ouais, bah ouais. Vous voulez que je vous donne des idées de trucs tordus? Eh bah non, hein, comptez pas sur moi. Bande de petits voyous. On va se mettre un truc éclairant là. Ah, quoique non, il n'y a pas besoin, remarque. Hein. Hop. Normalement, si on met là... Oups. Ça je doit suis coincé. Éclairer. Ah bah, j'arrive pas... À sortir? Bah non. C'est à cause de ton casque... C'est ton casque, il est trop gros. Donc tu cognes. Ah oui, ça doit être ça. ok.
Bon, ben, voilà une affaire rondement menée. Donc, dès ce soir, je pense que je vais lancer les appels à propositions. Oui. Et puis, je pense qu'une heure après ou deux heures après, ça sera terminé. On organisera le vote. Et donc, on se retrouve donc mardi prochain pour la construction suivante. Hein. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une place, un petit bout de rue. Mais si c'est une rue, pas une rue qui fait un kilomètre, parce que... Donc, voilà. Merci, Lynn. Hop. On a bien bossé. Et puis, ce qu'il faudra mettre, c'est la plaque avec l'étage. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Ah, puis je l'ai jeté le truc. Ouais, c'est pas grave. Et puis, donc, merci. Alors, au modérateur, je pense qu'il n'y en avait pas. Ah si, Fredo est passé peut-être tout à l'heure, je sais pas. Mais il doit plus être là. Merci aux donateurs. Des gros bisous. Et puis, merci à vous, les spectateurs. Donc, rendez-vous pour le projet Amiens dans Minecraft. Va-t-on en voir un de ces quatre le jour dans une semaine. Sinon, demain et après-demain à 15h, c'est du Minecraft, mais c'est Holycube. Et vendredi, c'est le petit live détente. On fait de la simulation de vol avec X-Plane. Samedi, il n'y aura pas de live. Je suis en famille. Il y a de la famille à la maison. Donc, ben voilà, une bonne fin d'après-midi à vous. Et puis. Fin d'après-midi. Ouais, à toi aussi, Lynn. Et puis, à bientôt. Bisous. Bisous. Pop.